Ah bah alors j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur votre chaîne Twitch d'amour, puisqu'on va parler d'amour ce soir, bah oui, parce que on commence avec quoi le lundi? Maintenant on commence avec amour sucré. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé un très bon week-end. Ma foi, j'espère que vous êtes au taquet parce que bah, le lundi, on continue l'aventure avec notre plus belle, notre plus chaude des sucrètes. Voilà, donc on va entamer certainement des choses terribles, je ne sais pas, on est au 5e épisode. Donc je pense qu'il va se passer énormément de choses ce soir dans Amour Sucré, High School Life. Alors j'espère qu'on va bien s'amuser. Comme d'hab, vous aurez la possibilité d'avoir un impact sur mon aventure. Je vais vous demander de répondre à des petits sondages, histoire de pimenter la chose, hein. Vous avez le droit de faire en sorte que ça se passe mal pour moi, ou alors si vous m'aimez bien, si vous avez un peu de respect, chose que je doute, eh ben vous pouvez faire en sorte que mon aventure se passe très bien. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, bien sûr que oui, j'avais deux petites annonces à vous communiquer, notamment la première. Voilà, c'est pas grand chose, mais quand même, on est 6K sur la chaîne Twitch. Allez, la commu, merci à vous. Allez, on bouge son corps. Merci infiniment. Merci Elite Gamers, merci infiniment. Ça y est, on est désormais 6K sur la chaîne Twitch, c'est bon. Ah, mais quel bonheur, mais qu'est-ce que ça va vite. Merci infiniment, merci beaucoup, merci, merci, merci. Bah écoutez, on va fêter ça ensemble. Du coup, j'avais très bien anticipé, je m'en doutais que ça allait tomber soit dimanche, soit lundi, enfin bref, c'était obligé. Donc, on va fêter ça samedi dans un gros live avec du Gartic Show, avec du Among Us et du Fall Guys. Si jamais vous avez envie de jouer avec moi, eh bien, il faudra venir, ma foi, vous inscrire sur le Discord. N'hésitez surtout pas. Merci infiniment. Ça fait plaisir, merci beaucoup pour vos petits messages. Et j'ai un deuxième belle annonce également. La troupe des modérateurs Twitch et TikTok s'agrandit avec une nouvelle recrue. Et je suis très content de la voir à nos côtés. Notre très chère Noix de Cajou Val nous rejoint. Allez. Val. Vas-y Val. Monte ton boule, vas-y ton boule, qui chamboule, vas-y Val. Thank you. Merci à toi. Vas-y Val, monte ton boule, vas-y Val, monte ton boule. On s'en fout de Bowser, si elle n'est pas d'accord, on s'en fout, on lui demande pas. Vas-y, monte ton cul, monte ton... ouais, bravo Val, bravo. Voilà, Val nous rejoint sur la modération Twitch et TikTok. Je me suis un peu laissé emporter par la musique, excusez-moi. C'était pas les vraies paroles. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de l'accueillir dans notre team de modération Twitch et TikTok parce que bah, c'est un garçon que j'ai déjà rencontré en vrai, avec qui ça a passé direct. J'aime beaucoup cette personne. On va apprendre de lui, il va apprendre de nous. Et puis, c'est quelqu'un qui est là très souvent. Il a toujours de la good vibes. Toujours très, très solaire ce garçon, donc ça va faire super plaisir de l'avoir, on est très content. Donc on lui lâche des gros cœurs et plein de belles choses pour Val. Salut Eric, comment ça va? Très content de te revoir, ça va mon petit Eric? Merci pour les subs. Et ben on est reparti pour un train de la hype, allez let's go. Wouh. On danse. Vas-y, c'est la fête. Bouge ton boule, c'est le début de la semaine. Ouais, merci. Bouge ton boule. Vas-y, fais péter le feu. Merci beaucoup. C'est complètement n'importe quoi là. Merci beaucoup. Il y a trop de trucs, merci l'Armania pour le don. Ça va très bien Eric, ça va super. Bon voilà, que des belles choses. J'espère que toi aussi Eric, tout va bien.
Salut Faye, merci, merci. Oh là. Waouh. Il est où mon petit gilet? J'aime bien le mettre sur mon dos, ça me réchauffe. Bon bah fuck. Il est pas là, ça va tout le monde? Bon voilà, en tout cas, merci infiniment pour le train de la hype. Merci Maë. Merci Jocelyne, merci tout le monde, merci Jay pour les subs, merci infiniment. Bon voilà, une semaine j'ai envie de dire qui commence fort. Hein, histoire que on se mette bien, très content. Voilà le petit Val qui nous rejoint, amour sucré. Voilà, on va pouvoir en apprendre davantage sur cette histoire complètement incroyable. Pour rappel, on avait vu un fantôme, mais en fait c'était pas un fantôme dans le couloir du lycée, puisqu'en fait on avait fait des bêtises. On s'en branle, allez super. Ouais. Eh ben, on est reparti pour un train de la hype. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci pour les subs, mais c'est n'importe quoi. Merci. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci, la commu. Merci, la commu. Allez, on danse. On danse, on danse. Merci pour ça, la hype. Oh là. Merci infiniment. Merci Wodemi. Oh mais c'est beau, c'est beau. Waouh, vous êtes incroyable. Bah ça fait beaucoup de sous-sous, hein. Bah oui, hein, quand même. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci infiniment. Mais gardez des sous pour manger. Est-ce que vous avez encore de la thune pour bouffer ou pas? Ou alors, vous avez tout claqué là-dedans, là. Il faut garder de l'argent, hein, pour manger, quand même. Salut, Lenzo. Salut, tout le monde. Gardons de l'argent, quand même, hein. Hein, merci infiniment. Merci, tout le monde. Et moi, je pue. Bah, va te laver, hein, surtout, hein. Allez, vous laver. Merci, tout le monde. C'est la première fois que je jouais à Amour Sucré. C'était mon enfance. Alors, non. Ce n'était pas la première fois que je joue à Amour Sucré. C'est mon troisième live. Merci, Manon. Merci, est-ce que j'ai loupé des gens qui ont fait des subs? Merci Jay, merci Manon, merci Eric, merci Maë, merci Jocelyne, merci encore Jay, merci Julie, merci tout le monde, merci infiniment. Et merci Pilolo pour le follow, merci infiniment. Ah ouais, y'a plus de sous pour manger. Bon ben, écoutez, je ne pense pas que Cricri puisse veuille vous rembourser. Hein, ça m'étonnerait, mais bon, je peux lui demander, hein, on peut lui passer un petit coup de fil. On peut lui envoyer un mail. Hein? On peut lui envoyer un petit mail, histoire de voir si il est ok pour vous rembourser, hein. Ok? On finira le mois avec des pâtes. Eh ben super! Après, c'est bon, les pâtes. Les pâtes, c'est bon, hein. Eh, les pâtes au fromage, les pâtes au saumon, les pâtes... les pâtes nature, avec un petit peu d'herbe, voilà, bon. Les pâtes avec les pâtes. Enfin, bref, franchement, les pâtes, vous allez vous régaler, hein. Les pâtes carbo, exactement, c'est ça. Avec tout l'amour sucré de ce soir, je serai bien nourri. Oh bah tu vas voir. Et surtout que ma sucrète, elle donne bien envie, hein. Elle donne envie d'aller en cours à la amour sucré là. Oh ouais, vous allez voir. Des pâtes aux pâtes, exactement. Coucou tout le monde, salut Nikki, salut tout le monde. Les pâtes toute ma vie, je dois résister pour ma forme physique. C'est vrai, ça donne envie de grossir les... Enfin, ça fait grossir les pâtes. Ça va? Bah tout le monde est en forme, hein. Merci infiniment pour ce train de la hype. Des pâtes au sucre, des pâtes à l'amour sucré, des pâtes aux fleurs sucrantes. Comme dans Genshin Impact. En fait, que en manger sinon? Ah oui, d'accord. Ouais, tu fais qu'en bouffer, ouais. Oui, donc du coup, ça fait grossir si tu manges que ça. Des pâtes à la boconnaise. Ça a l'air bon. Pas de ketchup, ça le fait aussi. Pas de ketchup. Merci Wonemi pour le lurk. Pâte au chamallow. Oh, ben c'est quoi encore de cette merde? C'est quoi encore de cette merde? Pâte au chamallow. Qu'est-ce qui a fait ça encore? Encore quelqu'un de TikTok, ça? Hein, c'est ça? Encore une dinguerie de TikTok? Coucou. Aujourd'hui. Ah, c'est elle ou pas? Est-ce que c'est elle? Celle qui dit. Cacou. Aujourd'hui, on va faire des pâtes au chamallow. On va bien se régaler à faire des pâtes au chamallow. Regardez, ça a l'air bon. Je suis sûr que c'est elle. Pâte pesto, les meilleurs. Oh, j'adore, pâte aux chèvres. Oh là, ça donne faim. Ah, c'est Kaku. Vous avez vu? Eh, vous avez vu? C'était obligé que c'était elle. Un truc aussi débile, c'est forcément Kaku, hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah, voilà. Oh non, pas elle, elle est infernale.
En plus, elle fait exprès, ça qui m'énerve. Je sais qu'elle ment et qu'elle fait exprès, là. Puis, tout le monde trouve ça normal. Kaku kaku, mais ta gueule! Bon, allez, super. On y va avec Amour Sucré. Haru Cosplay, installe-toi. J'arrive dans quelques instants, le temps de remonter le petit short de notre sucrète. Parce que bah, dans tous les cas, elle a que ça. Voilà, elle a qu'un short. Et puis, bah, on y va pour l'épisode 5. Donc, on est à 25% du jeu. Je ne sais pas ce qu'on va faire le jour où on va terminer High School Life. Moi, je sais pas, parce que moi, une vie sans Amour Sucré High School Life, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. On va retrouver notre Nathaniel. J'arrive, à tout de suite. Ok, on est pas mal pour Amour Sucré. Non, mais on est pas mal. Ouais, ben voilà. Cette belle interface de l'amour. Cette interface qui sent l'amour sucré. Regardez, il y a un petit gâteau, il y a des petits cœurs. Et notre sucrète, voilà, qui est toujours... Je suis choc barre de baiser. Notre amour sucrète... notre amour sucrète. N'importe quoi. Notre sucrète qui a toujours cette DA. Qui a toujours ce look idéal pour aller au lycée. Donc, super. On est vraiment content. Je pense qu'on va pêcher un maximum de mecs ou de meufs, hein, peu importe. Hein. Moi, je suis pas difficile. Quand on a faim, on mange à tous les râteliers. Donc, on y va. Let's go. Alors, pour rappel, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Petit récap vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. On a cru voir un fantôme dans les escaliers. Au final, c'était pas un fantôme. C'était Mozart l'Opéra Rock avec qui fait de la musique avec Cacastiel. Merci pour le sub. Merci Julie qui fête son 10e mois, merci infiniment. Alors, Mozart l'Opéra Rock, en fait, fait de la musique avec Cacastiel dans la cave qui est en dessous de l'escalier du lycée. Mais il faut pas le balance parce que du coup, sinon, ils pourront plus faire de la musique et ça va commencer à être compliqué pour eux. Donc, voilà. Ensuite, je me suis battu avec la sœur de mon futur mec. Donc, Nathaniel, sa sœur qui s'appelle Ambre, puisque déjà, c'est une sacrée connasse. Et surtout parce que elle a voulu piéger son frère qui a failli se faire virer du lycée parce qu'elle a caché les clés et des dossiers compromettants. Donc, des dossiers très importants pour l'examen. On s'est tapé, voilà. Bam! Zbla! Je lui ai tiré les cheveux, je lui ai craché dessus. Elle m'a foutu une beigne, c'est pour ça que je suis rouge. Voilà, sur la joue, hein, j'ai une marque rouge. Mais le principal, c'est qu'elle m'a pas arraché mon top, ni mon short. Voilà, donc tout va bien. J'ai encore mes chaussures. Donc c'est impeccable. Voilà, c'est top. On est parti. Et let's go pour l'aventure. Je crois que j'ai très bien résumé. Hein. Ça va et toi, Julie? Tu ne likes pas Cacastiel? Ah non, non, je vous le laisse. Merci infiniment. Je vous le laisse. Non, non. Le caca chez les autres. Pas chez moi. Merci. Allez, on y va. Ouah, c'est fort! C'est fort! Mais on se calme! Putain, c'est fort dans mon casque, mais ils sont complètement starbés, là! Ils sont complètement, mais malades! Mais ils sont malades! Bon, bah, c'est bon. Ok, c'est bon. Normalement, vous vous entendez pas encore. Dans 3, 2, 1... Voilà! Ok, ok. Wow! T'as la musique de deck, genre, ça commence. Ah, mais y'a plus de musique! Putain, je mangeais, y'a plus de musique! Bon! Bon alors! Mais la musique, où est-ce qu'elle est, là? Ah! Est-ce que vous entendez bien? Normalement, c'est comme la semaine dernière, hein. J'ai pas changé les réglages, donc... Normalement, it's okay. C'est parfait! Eh ben, super! amour sucré, amour sucré! Vas-y Nathaniel, enlève mon short, enlève mon short, enlève mon short. Oh, on va y aller. Merci Bonnie. Merci infiniment.
Coucou tous ceux qui débarquent, salut Geekette. Bonsoir à vous, enfin je vous vois en live, enchanté de vous connaître. Alors moi tu peux me tutoyer, je ne suis pas ton daron, mais enchanté également Geekette. Allez on s'installe, on y va, on a terminé l'épisode. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ok, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Bicolitz? Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aide-les à se remettre ensemble, ou pas? Oh ouais, non, pas. Alors là, si on peut clairement foutre la merde dans un couple et genre vraiment faire la grosse biatch, alors là avec grand plaisir. Ah bah non, on va pas les aider à se remettre ensemble. Oh non, bah non, c'est mort. Moi si je peux foutre la merde, vous savez, moi je suis un peu un petit serpentard. Donc si je peux foutre la merde, oh ouais non mais grave. Et si on peut même le pécho histoire que le couple il soit mort. Salut Pauline. Oh ouais ouais, on n'hésite pas. Salut Ch'tico. Alors on y va. Hey ma puce. Mon petit doigt me dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent. Voici 120 PA pour bien démarrer la journée. Tu pourras en profiter pour passer du temps avec tu sais qui. Bisous ma chérie, bye. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à Amour Sucré là, maintenant qu'on y est. Les points d'action etc là, en moyenne on en utilise combien dans une session? Moi qui fais des lives à peu près de 2h30-3h sur Amour Sucré, ça coûte combien en général? Est-ce qu'à un moment je vais lancer un live et j'aurai plus de points d'action? Et je risque d'être dans la merde? Salut Azucaria, comment ça va? Ah oh, bah merci Geekette, merci à toi. Je veux pas rester, je reviens vite, ça marche. Bisous Eric. J'ai entendu salut ma pisse. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Coucou Nao. Attendez, quoi? C'est possible que j'ai plus de points d'action? Non, parce que si je fais un live et que j'ai plus de points d'action, ça risque... Quoi? Ça peut arriver? Ah oui, attendez qu'on va mettre les termes. Ça utilise combien de points d'action par live? Oh là là. Quoi? Effectivement, tu vas tomber à court un jour. Quoi? Attendez, mais moi je... C'est pas possible. J'ai vu un streamer dans ce cas-là. Ah merde! Au moment où tu choisis des chemins, ça t'en retire. Ouais. T'es large. Bon, ça va. Deux par dialogue que tu fais. C'est possible? Oui, là, j'en récupère 20 par jour. Tu joues moins de 3 heures par semaine, ça va. Ouais, donc je risque pas d'être bloqué, alors. Bon, au pire des cas, je sortirai la carte bancaire. Ah, s'il faut, parce que moi, je veux absolument continuer mon aventure avec Nathaniel. Je ne pourrai pas me passer d'amour sucré. Allez, on y va, c'est parti. Salut, ça va? J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit. Tu m'écoutes? Bien sûr. Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Oh non, pas du tout, non. Non, 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 non. Plus love metteur de la fille. Non, on s'en branle. Non, 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 on veut pas réconcilier les couples. A l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier, plus love metteur du garçon sera élevé. Ah, voilà. Oui, ça, j'ai bien compris, ouais. Ça, j'ai très bien compris. Ah ouais, on va faire en sorte qu'il ne... Non, 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 il n'y a pas de remise en couple ensemble, là. C'est mort. Autre chose, un petit indice. Il te sera demandé de payer une somme importante. Tu as le choix d'accepter ou non, mais l'investissement pourrait valoir le coup à long terme. D'accord, tu n'es pas obligé d'accepter, ça marche. On y va ma chérie. Ok super, je te laisse commencer l'épisode alors. Merci. Oh bah j'ai très hâte. J'ai très très hâte de commencer l'épisode. Donc on y va. Épisode 6. Let's go, prenez place tout le monde, tous ceux qui débarquent. Allez c'est parti. Il est pas mal celui-là, mais c'est pourquoi ils s'habillent tous en Mozart, l'opéra rock. Putain, mais merde, mais c'est quoi ces tenues là? Ça va pas. Il est beau, hein, mais changez-moi ces fringues. Je peux plus. Qu'est-ce que... Ce n'est pas vous le vendeur de la boutique de vêtements? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle... Leg. Oh bah tu... Oh, bon, on va t'appeler... Putain, comment je peux t'appeler? Comment ça se dit? Leif? Lace? Comment je pourrais... Lef? Je pense que ça se dit avec un F, non? Hein? Leif? Hein? Ça doit être ça, hein? Leif? Le son est fort? Le son est trop fort? Alors attendez, je... Pourtant, j'ai pas touché par rapport à la semaine dernière. Le son est un peu fort? Ah, mais attendez, non! Ça doit être ça, là! Attendez, ça doit être ce truc de mort, là! Ça a dû se remettre à... Ah oui, bouge de là, toi! Voilà! Voilà, on s'en fout! On s'en fout! Voilà, on était là! Pourquoi ça s'est remis à la moitié? Voilà! Là, on est bien, normalement! On est bon ou pas? On est bon, hein? Normalement, vous entendez... Pourquoi ça s'est remis au milieu? Moi, j'aime bien mettre le quart. Parce que on s'en fout de leur musique, là. Ça va bien 5 minutes, mais... Plus important, c'est qu'on m'entende, moi. Re-sama! Merci, tout le monde! Donc, ça s'appelle Lef?
Comme la lèvre Ruby? Allez, super, on va l'appeler Bière. Qu'est-ce que vous faites dans ce lycée? Oh, tu peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Je cherche ma petite amie. Allez, dans ce lycée. Ah, c'est toi qu'on doit pécho. D'accord. Très bien. Ouais, ta petite amie qui sera plus ta petite amie. D'accord, dans quelques instants. On s'est disputé. Oh non, c'est vraiment dommage. Elle s'appelle Rosalia. Tu la connais? Non. Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche? J'ai pas de ça à foutre. Comme je suis pas de ce lycée, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Mais non, on n'est pas une pigeonne. Je suis clairement pas une pigeonne. Non, Bière. Non, pas du tout, non. Non, je suis pas une pigeonne. Je m'en fous. Donc là, on va pouvoir mettre la discorde entre les deux. Oh oui! Yes! Ah bah si je me foutre la merde. Avec grand plaisir. Re-Sama, re-tout le monde, tous ceux qui débarquent. Oh bah quel plaisir si je peux foutre la merde entre les deux. Oh bah Rosalia. Ah Mozart. Lef est ton frère, c'est ça? Il s'est disputé avec Rosalia. Je savais pas qu'ils sortaient ensemble. Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger avec eux. Voilà, super. Le dialogue qui n'a servi strictement à rien, Mozart. Ah, il est là! Oh bah voilà. Salut toi. Oh, il est là, le petit coquin. Salut. T'aurais pas vu Rosalia? Non, je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des soucis avec son petit ami. Et comme je suis une grande pigeonne, eh ben je fais les 400 coups pour les aider. Ben oui, j'ai que ça à faire. Parce que je suis dans un lycée, mais il y a personne qui travaille ici. Je déambule avec mon mini short. Si tu la vois, tu me préviens. Oh, pas de problème, ma chérie. Toi, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, il nous charme. Ah, il nous charme. Et il n'est pas venu là pour enfiler des perles. Alors lui, il n'est pas venu là pour nous corriger nos dictées, hein, ça c'est sûr. Ah bah alors, elle, comment elle s'appelle, elle, déjà? Elle s'appelle comment, la transparente, là? Casper, c'est quoi son nom, déjà? Comment tu t'appelles? C'est quoi son nom? Iris, c'est ça, voilà. Évidemment, j'avais pas oublié. Oui, ah bah, c'est bien. Iris, c'est ça. C'est ça. Salut, Crystal. Oui, bébé, évidemment, c'est ça. Oui, c'est Iris. Yes, bien sûr, évidemment. Ouais. Avec son pull pas bien mis. Non mais c'est clair. Eh hey, mais rabaisse-le là. On dirait qu'elle vient de manger, qu'elle vend tout plein là. Bon, c'est comme moi quand je bouffe trop de sushis là. Quand je mange des sushis et des makis pour 4 alors que je suis tout seul. T'es au courant que Rosalia sort avec le vendeur de vêtements? Il me semble que je l'avais entendu en parler une fois. Voilà. Une ligne, un dialogue. On en a vraiment rien à péter. Elle sert vraiment à rien. Bon super. Rosalia! Ah, c'est toi, Rosalia! Ah, bah ça m'étonne pas, ok, les deux là, ok, non, mais ça m'étonne pas que vous êtes. Oui, c'est les vampires du lycée là, c'est ça, d'accord, ouais, ok, d'accord. Oui, allez, ça m'étonne pas que chez vous vous dormez dans des. Dans des cercueils, ouais, d'accord, non, mais ça match très bien, non, mais exactement. Salut, Zyriel! Non, mais ça match très bien, ok, ouais, non, mais ça marche! Je suis sûr qu'ils déambulent dans le couloir, ils vont jamais dehors. C'est à cause de la lumière, genre. Ah! Ça nous brûle, non, on est trop dark! Je vous mets nuit à la symphonie. Ouais, ça va. Cassez-vous de là, moi je peux plus. C'est obligé! Oui, mais on s'est disputé un peu. Pourquoi? Il te cherche? Eh ben, il est toujours distant avec moi. Et je sais pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Bah, je pense qu'il est gay. Hein. Alors je voulais pas te le dire ma chérie, je suis sincèrement désolé, mais ce qu'il pense, je pense qu'il pense à une grosse merguez, le Mozart, l'opéra rock. En général, il y a très peu de gens masculins qui déambulent comme ça sur le lycée, hein, dans le lycée. Voilà, donc demande à Castiel ce qu'ils font vraiment dans la cave, parce que jouer de la guitare, je suis pas trop sûr. Jouer de la flûte, il y a plus de chances. Il y a plus de chances qu'ils jouent de la flûte, hein, on est bien d'accord. Tu devrais quand même aller lui parler. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je ne veux pas. Je lui pardonne toujours. J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi. Oh, bon, t'es vraiment une casse-couille. Oh, t'es vraiment une casse-couille. Oh, non, bah, allez. Rosalia est repartie, les larmes aux yeux. Bah, chiale, tu pisseras moins. Un peu de la peine. Oh, bah, arrête d'être con, toi aussi, la sucrète. Qu'est-ce qu'elle est con, mais on s'en fout. Ouais, franchement. Ça va, fait de la peine. On n'a pas le temps de chialer. Non mais c'est... Oh non. Et on a moins 100%. Oh là 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 là, c'est un enfer. Elle lève la main pour parler. Ouais, parce qu'elle est un peu mystique, Zoltan. Elle est un peu genre... Genre... Oh, je parle aux arbres, je parle aux divinités, je suis mystique. Oh, il y a des fantômes, il y a des esprits autour de moi. Oh, hein, oh.
Ils sont complètement siphonnés. Et voilà le retour de Cacastiel. Ouais. Avec ses deux baraques. Sa maison principale et secondaire qui est derrière, on la voit pas. Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de vêtements? Est-ce que tu crois que ce genre de choses m'intéresse? Vas-y, on n'assiste pas. Non, c'est à vous de voter. Très cher compatriote. On dit quoi? Est-ce qu'on dit réponse A? C'était juste à titre d'information. Est-ce qu'on dit réponse B? On n'assiste pas. Et on laisse Cacastiel sur son banc. Ou on dit réponse C? C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Cacastiel. À vous de voter. Un sondage va arriver. Vous avez une petite minute. Histoire de voter, histoire de me donner votre avis selon vous. Réponse A. Réponse B. Ou alors réponse C. À vous, le sondage est tout là-haut. N'hésitez pas à cliquer sur tout voir pour accéder au sondage. Et puis voyons ce qu'on dit à ce pauvre Cacastiel. Ah, on va pas non plus trop le déranger. Voilà, voyons. Salut Cassie, installe-toi. Et n'hésitez pas, tous ceux qui regardent en replay, à nous rejoindre en live. Tous les lundis, amour sucré. On rencontre des beaux gosses et Cacastiel. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Bon, vous êtes en majorité à avoir dit la réponse C, super. Donc c'est toujours un plaisir de parler avec toi. J'en ai autant à toi. Ah non, alors par contre, excusez-moi. On vient de gagner 5% là. Ça va pas du tout là. Non. S'il vous plaît. Ça va pas être possible ça. Non, par contre je gagne pas 5%. C'est moins 100% ou rien. Non. Regardez, il est en train de sourire là, il prend la confiance. C'est mort, laisse tomber là. Ouais, avec tes cheveux colorista là. Non, c'est même pas possible. Je crois pas. Donc, attention, vos réponses ont un impact. Ah non, ça va, c'est beau. Tu vas retourner à Bleu Libellule et tu vas aller nous faire une déco là, parce que c'est plus possible. Allez, ça dégage. Quel enfer. Attendez, les objectifs c'est quoi? Retrouve Rosalia. Oh non, elle est partie chialer dans les bois. Allez où Rosalia? Ah, il est là. Dis-nous Bière, est-ce que tu l'as vu? Mon cul. Oui, j'ai vu mon cul. Bon allez, il est mignon celui-là. Mais ça se voit qu'il est gay. Je suis sincèrement désolé. Ça se voit qu'il est gay. Ouais, je l'ai vu, ouais. Je vais faire en sorte qu'il passe du côté obscur de la force. Elle t'a dit quelque chose? Oui, quelque chose comme quoi tu ne montres pas assez tes sentiments. Et elle se demande si tu n'es pas gay. Oh, je suis pas doué pour ce genre de choses. Mais je tiens à elle. Tu es une fille. Tu as peut-être une idée de ce que je peux faire pour le lui prouver. Bah d'arrêter d'embrasser des mecs dans une cave. Et arrêtez de... Voilà, ça pourrait être une belle chose. T'arrêtes de rouler des pelles à des mecs dans une cave, tu verras, bah tout de suite comprendre. Le son du jeu il est fort, non? Ah bah on l'a baissé hein, pourtant, normalement on est ok hein, au son du jeu. Normalement c'est good. Ouais, arrête d'embrasser Cacastiel. Il a encore son. Mais attendez, mais c'est encore fort. Mais au pire on enlève le jeu là. Enfin, on enlève... Mais bah, dites-le direct. Oh. Dites-le direct. Mais je suis mort. Attendez, je baisse un peu alors. Je rebaisse encore. Parce que ça fait quand même 20 minutes que je suis dessus les amis. Voilà. Merci Sunset, merci. Quelle canaille. Bon, j'espère que lui va... Ah putain, encore elle. J'ai vu un type bizarre dans le lycée. Tu parles de qui? De Cacastiel? Il s'appelle Lef Ruby. Il est là parce qu'il s'est embrouillé avec sa copine. Vraiment? Je me demande si ça ferait un scoop intéressant pour le journal. Voilà, insipide cette discussion. Voilà, insipide. Oh non, putain, mais pas toi. Rosalia et Lef Ruby se sont disputés. Si jamais tu disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais la suivante. Voilà, c'est vraiment un gros connard. qu'on dise les termes. Ah, t'es juste un gros connard. Bah après tu l'assumes, hein. C'est chouette. Par contre, il faut surveiller ta maison. Hein, surveille ta maison et ta maison principale et secondaire. On risque de les voler. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc clair, net et précis. Merci, au revoir. Vraiment un cassos lui. Mozart. Est-ce que tu as vu Rosa? Oui, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Lef Ruby. S'il ne fait pas un effort, tu n'as pas une idée pour aider ton frère? Je la connais bien, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Je vais y réfléchir. Super, j'espère que tu auras une idée. Oh mais j'en ai pas envie de l'aider. Non, on n'a pas envie de l'aider, on s'en fout. Ah, merci de bien vouloir m'aider, t'as trouvé une idée. J'y travaille à foutre la merde dans ton couple. Bah pour l'instant... Oui, bon j'y travaille, c'est bon là.
Attends ton tour. Oula, elle fait peur. Oh là là, c'est pénible. Bon appétit, bon appétit. Est-ce que... Toi, je te parle pas. À cause de toi, Ambre a été virée plusieurs jours. Eh ben, tant mieux, ma chérie. Mais t'es qui, toi? Enfin, c'est qui, Annabelle, là? Enfin, mais t'es qui, toi, déjà, là? Avec ta tête de poupée, là, mais... T'es qui, vieille meuf? Attends. Alors, c'est à moi de voter, hein. J'hallucine, t'es vraiment du côté de cette pimbèche? Je suis désolé, mais ce n'est que quelques jours. Non, bah, franchement, non. J'hallucine, ou alors... Moi, je suis pour rien, c'est de sa faute. Bah, vas-y, pimbèche, grave, pimbèche. Je veux rien savoir. Si tu n'étais pas mêlé de ses affaires, ce ne serait pas arrivé. Mais elle est débile ou quoi, elle? Mais elle est débile, mais encore heureux que je veux me mêler de ses affaires. Je suis là pour foutre la merde dans le lycée. C'est mon but ultime. Genre, elle pense me vexer. Mais t'es bête ou quoi, là? Elle s'appelle Capucine, voilà. Bah, ah Capucine, bah, franchement, mon but, c'est de foutre la merde. Évidemment, mais je vais pas me vexer parce que tu me dis ça. Hein. Salut, Amaury. Oh, mais quel enfer. Évidemment que je suis là pour foutre la merde. Attends, j'y travaille, les frubis. J'y travaille. Voilà. Voilà, 2 secondes, les frubis. Est-ce que tu as trouvé une idée, toi? Je te l'ai dit, qui change de copine? À vous de voter. Salut, Flouf. Salut tous ceux qui débarquent. Est-ce qu'on dit réponse A? Tu sais, il y a des mecs qui ont des sentiments pour leur copine. Ou alors on dit réponse B? T'es vraiment nul. Ou alors réponse C? Rappelle-moi de ne plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi. Qu'est-ce qu'on dit selon vous? Réponse A. Salut Emma. Réponse B ou réponse C? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, il est chiant. Mais oui, Aurel. Exactement. C'est pas possible. Que Castiel, il tient à nous comme un escargot sur son rocher. Oh là là, mais il faut vraiment le blacklister, celui-là. Allez, qu'est-ce que vous... C'est vous qui votez, hein. Il va kiffer si vous faites C, je pense. C'est tellement un chelou que si tu dis ça, il va dire bah, j'adore ça, moi. Et moi, j'adore ça, ouais. Ah, bah, c'est sûr. Ah, vous avez dit quoi, réponse C? Allez, super. Évidemment qu'il va adorer ça, regardez. Regardez la jauge, regardez ça. Ah, enfin une réflexion. Mais, c'est, voilà. Enfin une réflexion intelligente. Voilà. En fait, pour Cacastiel, il est tellement siphonné du bulbe. Il est tellement pervers narcissique. C'est vraiment un chelou, ce type. Il faut penser à l'inverse de ce que vous pensez qui est bon. Voilà, il doit être Gémeaux. Voilà, donc franchement, il est vraiment pervers narcissique. Il est vraiment mi-phase. Je vous le rappelle, il dort sur 2 bancs. Donc on sait pas sur quel pied il danse. Il a un peu le cul entre 2 chaises. Mais on peut savoir quel signe il est, le très cher Castiel, là? Attendez, Castiel, amour sucré, signe astrologique. Oh, pourquoi j'écris en mage? Signe astrologique. On peut savoir? On peut savoir? J'ai mis le mage à fond de balle, mais vas-y, on refuse des cookies, j'ai pas faim. On peut savoir quel signe astrologique il est? Il est lion! Ouais, bah ça m'étonne pas. Je suis désolé pour vous, les lions. Hein. Il est lion. Ouais. Il rugit, quoi. Il est. Voilà, bah on sait qu'il est lion. Hein, c'est une catastrophe. Voilà. Il est lion, mais lunaire, il est gémeaux. Désolé pour vous, hein. Désolé pour vous, hein, les lions. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Bon, super. T'as pas besoin de chercher sur internet, tu as toutes leurs infos sur le jeu. Ah ouais? Directement, même leur taille. Leur taille de quoi? Attends, où ça? Attends, c'est vrai? Comment tu vois ça, très cher Opetsu? Attends. Leur taille de quoi? Ah! Ah, j'avais jamais vu! Bah attendez, on va arrêter le jeu, c'est très intéressant. Nathaniel, c'est le coup de cœur! Nathaniel est le délégué principal du lycée. C'est un garçon sérieux avec qui il est plutôt facile de s'entendre. Il est responsable, calme et timide, très sensible à la critique. Son perfectionnisme... Oh là là, ah. Il est Verseau. Il pèse 71 kg pour 1m78, un corps d'athlète. Il est né le 16 février au plus. Oh là là là. Castiel. Ouais. Donc ouais, sa guitare électrique, il déteste recevoir des sortes. Personne ne me donnera des sortes. Ouais, il est lion et c'est un connard. Très bien. Bon, j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est marqué hein, dans la description, c'est un connard.
Allez, on y va. Allez, on continue, hein, parce que, excusez-moi, mais on a autre chose à faire, hein, quand même. Mais merci pour l'info, je savais pas. Je ne savais pas. Alors, ok. On continue l'info. Trouve une idée pour réconcilier. Non, j'ai pas envie de réconcilier. Non, non, au contraire. Il n'y a pas à trouver une idée pour que le couple soit mort. Non, non, j'ai pas envie de... Oh, elle est là. On pourrait l'appeler comment, elle? Rosalia, là. Elle, c'est Isabelle Adjani. On va l'appeler Adjani. Elle est complètement starbée. J'aimerais vraiment que l'œuf Ruby me prouve qu'il tient à moi. Voilà, super. Ok, Adjani. Elle est top. Là, il n'y a personne. Oh, attends, j'essaie de trouver une solution. Je pense avoir trouvé une idée. Ah oui, Mozart l'opéra rock. Les filles aiment les poèmes. Je pensais écrire un... C'est ça ton problème. Voilà. C'est ça ton problème, Mozart. T'écris des poèmes, voilà. Je pense qu'à un moment, faut aller droit au but. Hein. Il faut lui donner de l'argent. Je pense qu'elle attend que ça. Ariel Dombal. Ariel Dombal, ça lui va trop bien, Ariel Dombal. Non, il faut lui donner de l'argent. Je pense qu'elle en a marre, Rosalia, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Elle en a marre de lire les poèmes, de... Voilà, elle en a marre. C'est mignon. Mais sors-lui la carte bancaire. Hein, ça lui fera pas de mal. Donc, donne ta carte à ton frère. Je pense que, voilà, c'est pas possible. Ton frère, il doit pas avoir une thune. Et il faut prouver, là. Oui, c'est super d'écrire les poèmes. Mais tu peux pas te payer ton loyer avec des poèmes. Hein, il faut de la moula. Mais je suis carrément d'accord, c'est très mignon d'avoir un poème ou deux de temps en temps. Voilà, au réveil, au petit déjeuner. C'est très super, c'est génial. Tu vois, devant un coucher de soleil, tu lis un poème. C'est magnifique. Mais donne ta carte, bordel, donne ta carte. Ça va bien 5 minutes, à un moment, on va pas... On peut pas payer le loyer avec des poèmes. Hein, donc... J'ai une fille, je déteste les poèmes. Ouais, grave. Allez, on dit ça. Toi, peut-être, mais je connais suffisamment Rosa, enfin Ariel Dombal. On va l'appeler Ariel Dombal. Pour savoir que ce genre de choses lui plaît. D'accord. Est-ce que tu peux me l'écrire tout de suite alors? Je n'ai pas de quoi l'écrire. Pourrais-tu me ramener du papier à lettres et un stylo? Mais oui! Mais j'ai que ça à foutre, je suis bureau valet. Non mais. Je suis bureau valet. Bah j'ai que ça à faire. Bah ouais, grave. Oui! Mais hé, hey, j'ai que ça à foutre! Genre, bah ouais, bien sûr, ouais! Ouais! J'ai que ça à faire! Oui! J'ai que ça à foutre! Je vais te sortir une feuille blanche, j'ai que ça à faire! Allez, super! Je sais pas où j'ai laissé mes affaires! Oh là, putain, mais ils sont vraiment courts! Hey, ils sont vraiment teuteux, hein! Allez, on doit chercher du papier et du stylo! Oh là 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 là! Mais ils sont au lycée! Mais oui! Ils sont au lycée, ils ont même pas. Après, je suis qui pour parler? Je veux dire, j'ai pas de sac, hein, non plus. J'ai pas de cartable. Je n'ai pas de cartable. Voilà. J'ai pas de sac à dos, j'ai pas de pochette, j'ai que dalle. Donc je suis très... Moi, je suis pas venu là pour faire des cours. Je suis pas venu là pour apprendre quoi que ce soit au lycée, à part la vie. Sinon, je m'en fous. Mais oui, ils ont jamais leurs affaires, ils se démerdent. Moi, je suis pas venu là pour étudier. L'avantage avec toi, c'est que je vais voir de nouveaux scénarios. Ah bah oui. Bah chacun ses choix, c'est personnel, un petit secret, vous savez. Mais oui, perds tout. Nous, on est là pour apprendre la vie. C'est le plus important, hein, l'école de la vie, exactement. Par contre, on n'a jamais cours. Hein. Et on n'a jamais cours, c'est un truc de malade. Mais bon. Moi, le principal, tant que je suis en mini-short ou en culotte, après le reste, ça me regarde pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver des papiers et des stylos? Eh, je suis vraiment une pigeonne. Je suis vraiment une pigeonne. Dites pas que je vais devoir acheter quand même. J'y travaille. Ah non, me dites pas que je dois aller chercher. Attendez, je peux pas sortir de là? Si, la ville. Me dites pas que je dois quand même dépenser de la thune pour papier et stylo. Attendez, je veux juste voir pour être sûr si je dois pas acheter ça. Mais c'est une blague. Oh, je suis vraiment une grosse pigeonne. Je suis vraiment une grosse pigeonne. Et... Ah ouais, vu que j'en ai pas trouvé dans un lycée, c'est vraiment, en plus c'est vraiment l'endroit où on peut trouver du papier et du stylo, hein, et des stylos, on peut trouver ça n'importe où dans le lycée, hein. On peut trouver ça n'importe où, dans un casier, tu demandes à un prof, non, il faut quand même aller dans la ville, acheter un fucking stylo bic à une pièce là, et des feuilles à deux pièces, et je suis certain que Mozart l'opéra rock là, il va même pas nous rembourser, hein. Non mais c'est l'abus, c'est clairement l'abus, allez on dépense. Oh, qu'est-ce que je suis une pigeonne. Je suis une grosse pigeonne. Alors j'en ai vu des pigeonnes.
Oh là là, mais alors comme ça, franchement, non mais il faut du caractère là, c'est pas possible. Oh là là, comme quoi la bif fait pas le moine. Oh là 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 là, je suis vraiment une pigeonne. Voilà, donc là je vais lui donner Ah, Choupinette, t'es là. Tiens, prends, oh bah merci, ça me rembourse. Ah, merci Ariana Grande. Ah, bah voilà, bah ça me rembourse. Ça me rembourse mes achats. Merci Ariana. Oh, ça fait plaisir. Merci bien vouloir m'aider. Je travaille. Attends, où est-ce qu'il est, Mozart? J'ai plein de choses à faire en ce moment. Vivement le week-end. Mais t'es qui? C'est qui? C'est qui déjà, elle? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Attendez, mais... Vivement le week-end. Mais t'es qui, toi? Mais c'est qui, cette personne? Salut, Alexa. Attendez, c'était qui, elle? Attendez, il faut me rafraîchir la mémoire. On a déjà rencontré cette personne? Attendez, mais c'est qui? Attendez, je sais pas qui c'est. C'était qui, elle? Ah, je peux pas savoir? Ah, si, les filles. C'était qui? Mélodie. Bon, ok, 0%, j'en ai aucun souvenir. Ah oui, d'accord, oui, on l'a rencontrée une fois. Oui, c'est elle qui fait des bails avec... enfin, qui a essayé de faire des bails avec Nathaniel. Mais on lui a dit non, on lui a mis un stop. Ah oui, ça y est, ça marche. Par contre, vous m'avez dit que le coup de cœur, ça marchait pour booster. Oh, coup de cœur. Oh, oui, on a gagné 100, je sais pas quoi là, mais coup de cœur. Et on peut pas dire pas coup de cœur, mais déception. On peut pas dire ça pour gagner des points là. Déception, genre vraiment grosse hesse. Ça va bien et toi? Installe-toi, Eldexoa. D'accord. Alors voilà. Donc toi, on s'en fout concrètement ce que tu fais de ton week-end. Voilà. Il est où? Ah, t'es là. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Oui. Il a pris le papier et le stylo, puis il a écrit des poèmes en quelques minutes. Bah ouais, il est tellement inspirant. Voilà, tu peux le donner à l'Efrubi. Alors à vous. Oh mon dieu. Alors à vous. Qu'est-ce qu'on dit là? Déjà, il doit pas être terrible ton poème. Ou alors, merci, c'est gentil de te donner tant de mal pour ton frère. Ou alors, tu ne veux pas lui donner toi-même? À vous de voter. À vous de faire le bon choix. Est-ce qu'on fait le A? Est-ce qu'on fait le B? Ou on fait le C pour Mozart, l'opéra rock? Est-ce qu'on fait le A? Le B? Ou le C? À vous de voter! Voyons ce que vous avez voté. Tu le sais déjà. Bah alors, c'est vous qui votez. Hein. Moi, ma réponse aurait été évidente. Mais vous, c'est vous qui choisissez. Hein. À vous de tempérer ou pas, c'est vous qui choisissez. Hein. N'hésitez pas à voter, vous cliquez sur tout voir. Et let's go, tout en haut, on y va. C'est plutôt mi figue mi raisin. Vous êtes 55% à avoir dit B. Merci, c'est gentil de te donner tant de mal pour ton frère. T'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aurais dit tu peux pas lui donner toi-même. Genre, démerde-toi, j'ai autre chose à foutre. Mais c'est vous qui choisissez. Réponse B. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis content de voir qu'il y a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Oui. C'est parce que t'as demandé à mon chat. Ah, t'as eu de la chance, Mozart. T'as eu beaucoup de chance. Voilà, il est reparti. Ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur. Comme ça, Rosalia ne pardonnera pas à l'Efrubi. Oh, on déchire le poème. Grave. Et on écrit des mots méchants. Voilà, exact. Allez, on déchire tout. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, on va foutre la merde. La tension dans la villa. Oh, attends, j'espère qu'il va y avoir des... Oh, super. Oh, j'espère qu'il va y avoir vraiment... Sortez les popcorns. Oh, on fout la merde. Oh ouais, on est là pour foutre la merde. Salut Cléa. Je suis choc barre de baiser. Ouais. Oh, j'espère. Oh là là, j'espère qu'il va y avoir tension dans la villa. Sortez les popcorns. Et sucré, hein, pas salé. Allez, on y va. Donc, on a déchiré complètement le... Voilà, on a déchiré totalement. Et va en salle de classe pour écrire toi-même un nouveau poème. Oh, attendez, attendez. Attendez. Imaginez, mon poème il est mieux que celui de Mozart l'opéra rock. Oh, imaginez. Oh là 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 là. Oh là là. Imaginez. Ah non, il faut que j'écrive vraiment de la merde. Il faut que j'écrive vraiment de la merde. Voilà, je suis dans la salle de classe. Oh, j'adore. Ah bah je l'avais dit, hein. Et moi je fais pas un truc tout lisse, tout mignon. On n'est pas venu là pour se faire des potes. Nous on est là pour sécuriser notre relation avec Nathaniel. Et puis si Nathaniel me dit est-ce que c'est moi, non, je balance quelqu'un d'autre. Je balance sa sœur. Voilà, je suis dans la salle de classe.
Je vais pouvoir me mettre à mon bureau et écrire ce nouveau poème. Voilà, on écrit le poème. C'est fait. Il me reste plus qu'à retourner voir Lef Ruby et lui donner mon super poème. Oh, j'ai hâte de foutre la merde. Donne le poème à Lef Ruby. Il va péter un câble. Oh, j'espère que ça va faire baisser la jauge. Oh ouais, il y a trop de tension là, il y a trop de tension. J'espère. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Ta-ta-ta. Amour sucré. Amour sucré. Tiens, tu peux donner ce poème à Ariel Dombal. Ça arrangera peut-être les choses. Ah, je peux pas aller la voir, je suis pas élève ici. Ah oui, c'est vrai. Je vais te demander ça, mais tu veux bien être mon intermédiaire? Bien sûr, je suis la reine des pigeons. Merci. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois que tu l'auras lu? Oh, pas de soucis, t'inquiète pas. Alors, évitez de me donner des conseils, s'il vous plaît. Vos remarques et les conseils, s'il vous plaît, ne dites rien. Merci à vous. Modo ou pas modo, ne dites rien. Ne me gâchez pas l'aventure. Merci infiniment. Allez, on y va. Donc, je vais lui donner le poème. On y va, on donne tout. Oh, j'espère qu'il va le... Oh non! Au fait, est-ce que tu as déjà eu une petite amie? Oui, les fruits qu'il a dans son arbre. Ça va être ça? Hein, c'est ça? La petite cerise que t'as cueillie dans l'arbre? Hein? Ah bah ça, vous de voter! Ouais, plein, pourquoi? Tu vas être la prochaine? Mais regardez comment il pue. Alors, réponse A. Tu n'es pas le suivant sur ma liste, désolé. Ou réponse B. Et pourquoi est-ce que tu es célibataire si tu as autant de succès alors? Bon. Ouh. Réponse C. Oui, je veux bien. A plus, Manon. Alors allez, à vous de voter. C'est vous qui choisissez. Voyons ce qu'on fait avec Cacastiel. N'hésitez pas. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Elle commence à avoir du répondant. Enfin, enfin, enfin. Salut Kurem. Enfin, 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 enfin. Voyons qu'est-ce qu'on fait. Selon vous, est-ce qu'on vote A, est-ce qu'on vote B ou on vote C? Bien sûr que oui. Bon, vous êtes majoritairement à avoir dit B. Et pourquoi est-ce que tu es célibataire si tu as autant de succès? Parce qu'il y a personne assez bien pour moi. Oh putain, mais tu pues la mort. Non, franchement, tu fais pitié. Oh là là, je suis bien content. Alors là, ça va être croustillant. On va voir si Nathaniel va me pardonner de cet affront. On verra ça. Voilà, Ariel Dombal, elle est de retour. T'as des nouvelles de Lef Ruby? Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre... de notre dispute. Je pense aussi s'il t'aimait vraiment, il se serait déjà manifesté. Oh, est-ce que je suis aussi mauvaise que ça? Est-ce que je suis mauvaise ou pas? Grave. Ouais, je suis grave mauvaise. Non, je peux pas croire ça. Oh bah si, il est gay. Il est grave gay, là. Y a pas plus gay, hein. Ouais, non, mais franchement. Allez, Ariel, ça dégage. Oh, bien sûr que oui. Pour rire. Oh, putain, on rigole. Bon, par contre, on va le payer cher. Eh, on va le payer cher à un moment. Parce que tu peux pas foutre la merde H24 dans le jeu. Donc... Il y a un moment, on va le payer. Donc il y a le karma, il va faire... Hop là, bam. C'est sûr, je m'y attends. Mais bon, moi je kiffe la vie à 100%. Donc je peux pas faire genre... Non, non, j'ai trop envie de foutre la merde. Mais on va le payer. Je sais pas quand, je m'y attends, mais on va prendre cher. Et c'est ça qui est drôle. Tu viens postuler pour être ma petite amie? Non, mais par contre, je vais te donner des conseils pour faire une location, parce que dormir sur un banc, ça va bien 5 minutes. Donc, n'hésite pas à faire appel à une agence immobilière et également à un petit coiffeur. Ça te ferait pas de mal de couper les pointes, de tout couper finalement. Enfin, coupe-toi. Voilà, coupe-toi. Direct. Allez, ciao. Oh, Nathaniel. En fait, est-ce que tu as déjà eu une petite amie? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Alors là, c'est mon tour. Ah, oh, j'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi aurait déjà une petite amie. Wow. Ou alors, je vois. Ou comment ça se fait que tu sois célibataire? Oh non, non, alors attendez, attendez, parce que là il faut que je réfléchisse bien. Alors, j'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi aurait déjà une petite amie. Mais ça veut dire... Attendez, ça veut tout dire et rien dire cette phrase. Ça veut tout dire et rien dire. Salut Lucie. Ça veut tout dire et rien dire parce que... Quelqu'un comme toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un comme toi d'incroyable ou quelqu'un comme toi qui pue la merde? Ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'elle elle veut dire genre... Comme toi, genre quelqu'un qui est... Je sais pas, qui est parfait. Ça, c'est, je sais pas quoi penser de cette phrase là. Le je vois, je prends pas de risque.
Et le comment ça se fait que tu sois célibataire alors? Non, c'est trop. On accuse là. On accuse. Non, allez. Allez, je vais dire. Ah! Putain, je vais te perdre. Oh! Ah! Je vais te perdre 10%! Faut que j'enlève mes fringues. Alors attendez, on va se mettre à poil. Est-ce que je peux pas changer de fringues histoire de... Attendez, là on est en train de perdre des points. J'ai pas des tenues beaucoup plus sexy histoire de... Voilà, je ne sais pas faire ça. Daniel. Oh putain, je m'en doutais que cette phrase elle avait de double sens. Oh misère. Misère, Nathaniel. Oh là là là, je m'en doutais. Je m'en doutais, c'est pas grave. Purée. Je m'en doutais. Oh non. C'est honteux. C'est grave honteux. Oh, mais c'est pas grave. Voilà, c'était le karma. Je vous l'avais dit, le karma il va arriver. Le karma il est venu pour me taper sur les doigts. Bon, allez, c'est pas grave. On y va, mais ça peut que nous renforcer. Je n'arrête pas de vous croiser dans les couloirs, vous n'avez pas autre chose à faire. Bon, il n'y a pas de prof non plus pour faire des cours, hein, vieille biquette. Donc à un moment, on est là pour rouler notre boule. Mais casse-toi de là, toi. Je suis dans les couloirs. J'ai quelque chose pour toi de la part de l'Effrubi. Il t'a écrit un poème. Elle lit le poème. Oh là là, attendez. On y est presque. Salut, ce canard. Alors qu'est-ce que ça donne? Il m'a écrit des choses horribles. J'aurais jamais cru capable de faire quelque chose d'aussi méchant. Oh ouais, mais je te l'avais dit. Il fallait pas compter sur lui, je te l'avais dit. Il est vraiment horrible ce mec. Mais je te l'avais dit. Ben ouais, c'est pas grave. Hé, hey, un perdu, 10 de retrouver. Ouais, c'est pas grave. Je vais retourner voir l'Effrubi pour lui dire. Ben ouais, il est méchant ton mec. Voilà, c'est à cause de Cacastienne. Voilà, il a changé de bord. Et il fallait, voilà. Au revoir, Ariel. J'adore cet épisode. Cet épisode, il est vraiment génial. Oh, franchement, il est incroyable. Oh là là. On s'amuse bien. Cet épisode, il est beau. Alors, il est où, Mozart? Rosalie a eu ton poème. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Eh ben elle a pas vraiment apprécié, tu sais. Tu es doué que moi pour ce genre de choses, on dirait. Tant pis, il va falloir trouver une autre idée. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Ah, parce qu'on va refoutre encore la merde. Non, non, mais attendez. Une fois, genre, ça a pas suffi. On va remettre une couche. Ah non, bah écoutez, mais quel bonheur. Quel bonheur. J'espère sincèrement que ça va être moi qui vais tomber sur les choix. Et que ça ne va pas être vous. Bon, si c'est vous, je vous laisse faire. Mais si c'est moi, j'espère que je vais pouvoir remettre une petite couche sur le gâteau. Oh non, parce que là, quel bonheur. Oh, mais quel épisode incroyable. Je cherche toujours une idée pour vous réconcilier. Je suis vraiment une faux cul. Oh non, je suis vraiment une hypocrite. Non. Mais quel faux cul. Oh bah écoutez. Hey, excusez-moi. J'ai le droit d'être comme ça dans le jeu. Ça me libère, ça me fait du bien. Voilà, moi qui suis toujours droit dans mes baskets, ben j'ai bien envie d'être focus pour une fois là. Et de cracher dans la gueule des gens, et de foutre la merde, des choses que je peux pas faire dans la vraie vie. Donc, eh ben je me rattrape. Hein. Salut dame. On se fait plaisir. On fout la merde dans les relations. On fout la merde, j'adore foutre la merde, car je suis une sucrète, un peu biatch. Ouais, super. Oh, quel bonheur. Bien sûr, c'est mon histoire. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Je te vois. Pourquoi elle me fait penser à Lil Kim, elle, ou une rappeuse US, genre. Ouais, je te vois courir partout, là, depuis le début de la journée, petite, là. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais là, ma petite, là, gonzelle? Allez, c'est parti, viens, on danse. Attends, je cherche l'idée. Attends, mais putain, mais je suis harcelé. Hein. Des fleurs, voilà mon idée. On pourrait cueillir un bouquet de pour Rosalia, toutes les filles aiment les fleurs. Oui, bah oui, c'est évident. C'est évident, toutes les filles aiment les fleurs. Et toutes les filles aiment le rose. Ou alors, on ne fait pas le bouquet. Ah, alors c'est à vous de voter. Est-ce qu'on dit réponse A?
Ça pourrait vraiment les réconcilier. Je vais faire comme si je n'avais pensé à rien. J'ai vraiment une connasse. Voilà, réponse B. Oui, c'est une bonne idée. Je vais le faire. Et faire le bouquet pour Ariel Dombal. Est-ce qu'on fait la réponse A ou on fait la réponse B? À vous de voter, Twitch. Réponse A, on ne fait pas le bouquet. Ou réponse B, on fait le bouquet. Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Réponse A ou réponse B? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez un impact hein, cette fois. Comme ça, on échange un petit peu, on est voilà, on est super. Essayez de temporiser peut-être le coup ou pas, à vous de voir. Est-ce que vous allez éteindre la mèche que j'ai allumée de cette dynamite? Ou alors au contraire, vous allez en rajouter une couche? On va voir. Vous êtes 69% à avoir dit réponse A. Eh ben, écoutez. 71, 72. Ah bah écoutez, bah super. Eh ben, on ne fait pas le bouquet. Bah écoutez, tant mieux, moi ça m'arrange. Allez, super. Oh mince. Attendez, quoi? Attendez. Hein? Quoi? J'étais venu là pour faire quoi? Oh merde, j'ai oublié l'idée. Oh merde. Ah, qu'est-ce que je venais faire là? C'était quoi là à la base? On était venu là pour faire quoi? Ah bah je sais plus. Bon bah allez, je fais demi-tour. On n'est pas fleuriste? Bah ouais, on n'est pas fleuriste. Ça va bien et toi, dame? Bah ouais, on n'est pas... Et on n'est pas fleuriste. Bah après, c'est vous qui avez choisi. Voilà, chacun son tour. On se renvoie la balle de ping-pong. Bon bah ok, si on est ok, on est ok. Et on... c'est mon aventure, mais c'est un chouïa la vôtre aussi. C'est pour me dédouaner un petit peu, pour soulager ma conscience. Ça fait du bien. Je suis désolé, mais je trouve vraiment rien. Je suis vraiment une connasse. Merci de te donner tant de mal. Mais merde, j'ai la pire du lycée. Tu voudrais pas essayer de la raisonner? Tu es une fille après tout. Elle t'écoutera peut-être. Mais c'est quoi ce mec là? T'es une fille, t'aimes les fleurs. T'es une fille, t'aimes les poèmes. T'es une fille, tu dois aller acheter un stylo et du papier parce que t'es une grosse pigeonne. T'es une fille, alors du coup tu dois parler aux filles parce qu'un mec va pas t'écouter. Mais t'es qui toi là? Mais t'es qui toi? Les frubis là, c'est pas possible. Oh là, d'accord, je vais essayer. Oh là là, purée de pommes de terre. Ça se voit que le jeu il a 10 ans, non? Hein? C'est la faute de Mozart, l'opéra rock. Eh, l'accusez pas, il a encore rien fait. Hein. Il n'a encore rien fait. Hein. Lui, le pauvre. C'est pas vrai, hein. Salut, Cry Baby. Ouais, très sexiste, hein. Un peu sexiste, un chouïa. Un chouïa. Après, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Bon, je ne dis pas que ça excuse. Hein. Mais je crois que le jeu a une dizaine d'années hein, dans la bouteille. Donc, ça a évolué. Voilà. Voilà. Je ne dis pas que ça excuse. Au contraire. Mais bon. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible. Non, 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 non. Salut, Floy, comment ça va? Allez, let's go. On y va. Marmon. Bah évidemment, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Ça n'a pas l'air... Mais pourquoi on lui pose la question? Bien sûr que si, tout va bien. Je sais peut-être parce que ça me donne un genre. Voilà. Je commence à avoir marre de quoi que tu dises. Que tu prennes mal. Ouais, ouais. Personne t'oblige à venir me parler. Voilà, c'est ça. Allez, ça dégage. Merci, ciao. Voilà, voilà. Ça dégage. Ce jeu date, je me rappelle plus. C'est quoi le principe déjà? Alors, le principe de Amour Sucré, c'est très simple. Tu crées ton personnage qui s'appelle une sucrète, qui est là. Là, on joue à High School Life, donc du coup, ça raconte la vie dans le lycée. Donc, comme dans n'importe quel lycée, eh bien, tu t'habilles de cette manière, histoire d'en mettre plein la vue aux professeurs et également aux élèves. Voilà, donc on va pécho un maximum de mecs dans les vestiaires. Donc, on n'est pas du tout difficile, que ce soit sportif, que ce soit des gens du théâtre, des gens du jardinage, n'importe quel club, on n'est pas difficile. On n'est pas venu là pour étudier, comme tu peux le constater, nous n'avons pas de sac ni de cartable. Notre but étant d'être la plus grosse chouin sucrète du lycée. On va tout donner. Je suis en train d'avoir une petite relation furtive avec Nathaniel, qui est clairement le plus doux et le plus gentil du lycée. Et j'essaie de foutre la merde le plus possible entre les gens, entre les couples, entre les relations, entre les amitiés. Voilà, donc comment te décrire l'aventure amour sucré. Je pense que c'est un bon résumé, hein. C'est un bon résumé, hein. Les cours sont inconnus dans le lycée, hein. Les cours de quoi? On sait pas. Voilà, c'est... Je pense que c'est un bon résumé. T'en as pas marre de caca ciel? Oh si, je peux plus. Bah, je suis à moins 95%, je pense que ça résume bien. Je pense que ça résume bien. Alors on parle à Nathaniel. Ah oui, Nathaniel. Nathaniel. Oh, il est où Nathaniel? Ah, t'es là.
Au fait, je t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça va pas tellement. Ambre me fait vivre un enfer à la maison. Depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Alors, soit je lui dis, ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça lui passera. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ouais, c'est vrai que tu as été un peu... Non, alors jamais je vais être comme ça. Je suis sûre que t'as lui... Allez, on va le rassurer quand même. Putain, mais merde! Je perds encore des points alors que je vais être gentil, mais voilà! Faut pas être gentil! Voilà, Flavia, écoute-toi! Oh là là, mais sois méchante! Putain, mais sois méchante, Flavia, sois méchante! Oh, c'est pas vrai, voilà, j'ai voulu être sympa. Non, sois méchante! Oh, j'ai voulu être sympa! Ah, rappelez-moi de plus être sympa. Salut, Serenity! Oh! Non! Ça me tue, hein, ça me tue, ça me tue. Ça va bien et toi? Mais oui, c'est le karma! C'est parce que j'ai voulu être gentil! Voilà, j'ai voulu être sympa! Eh ben, j'aurais pas dû! Oh, je suis dégoûté. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable lorsqu'elle est en colère. Mais ça va le faire! Ça va le faire! On va. Oui, oui, excusez-moi! Oui, chouin! On est une chouin! Oui, oui, il faut que je me remette dans le droit chemin là, parce que ça va pas du tout là. Je crois bien que si, en tout cas, ça a vraiment l'air de l'affecter. Je me demande si je peux pas trouver quelque chose pour lui remonter le moral, notamment passer ce bureau. Ah bah, on y va! Peggy 18. Nathaniel! Trouver une idée pour remonter le moral de Nathaniel. Bah, super, c'est bon, elle est déjà tout trouvée. C'est bon, on commence quand? Ah bah, alors là, si la jauge elle monte pas à 100%, je ne comprends pas. Bah, l'idée elle est toute trouvée. Alors, je peux pas causer. Je peux pas cocher la case moi-même? J'ai trouvé l'idée! Je peux pas? Ça marche pas? J'ai déjà l'idée, hein, c'est pas la peine de chercher. Je pense savoir. Ah, évidemment, les fleurs. Ah oui, alors si je me mets en dessous du bureau, c'est pour lui offrir les fleurs comme ça. Bien sûr, évidemment, c'est mieux. Parce que les fleurs, voilà, c'est plus joli quand on les présente d'en bas. C'est beaucoup plus simple. Bon, bah, du coup, je vais devoir lui trouver une idée. À vous de voter. Rosalia, tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Aleph Ruby et aller la voir? Enfin, pas Rosalia, Ariel Dombal. Ouh, je n'ai pas arrêté d'aller et venir parce que Aleph Ruby n'a pas envie de bouger pour venir te récupérer. Si tu veux mon avis, ça moque de toi. À vous de voter. Pourquoi vous avez que les choix intéressants? Réponse A ou réponse B, les amis? A ou B? Est-ce qu'on lui dit qu'il doit pardonner Aleph Ruby? Ou alors, on pardonne pas. On pardonne pas. Et il se moque d'Ariel Dombal. Ah, ah. Ariel Dombal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait réponse A? Ou réponse B? Tu l'aimes bien, Rosalia? Ariel Dombal? Oui, ça elle me dérange pas. Elle est lunaire. Elle... Ça me dérange pas. Elle me fait rire. Ah, vous êtes... Ah, c'est serré, hein. C'est serré. Alors, vous êtes 55% à avoir dit la réponse B. Donc, c'est quoi? C'est... Je ne vais pas arrêter d'aller et venir parce que Aleph Ruby n'a pas envie de bouger pour venir te récupérer. Oh, putain, on est vraiment des connards. Allez, on y va? Allez, let's go. C'est justement pour ça que je vais plus le voir. J'ai l'impression que... qu'il n'a aucun intérêt pour moi. Bah, c'est pas qu'il a l'impression, il s'en fout de toi. Allez, bye. Wouh! Allez, super! Ouais! Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur! Mais il en a rien à péter! Il en a rien à péter de toi, tu sais. Il s'en fout! Il s'en branle! Il est juste là pour s'amuser. Il est juste là pour profiter du moment avec Cacastiel. Il en a rien à péter! Voilà! Elle est complètement perdue. Je sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Oh, t'as, vous êtes méchant, hein. Eh, ça se fait pas. Eh, ça se fait pas. Eh, vous êtes méchant. Elle a l'air un peu perdue. Je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai un peu marre de faire des allers-retours pour... Mais voilà, c'est bien. C'est bien. Merci, Vanessa. Merci, Vanessa, pour le 8e mois. Eh ben, voilà. Vous voyez, on n'est pas une pigeonne. Ça y est. Sucrète, elle commence à avoir de la bouteille. Elle commence à avoir de la répartie. Elle en a marre. Elle peut plus là de faire des allers-retours. C'est bon, ce n'est plus une pigeonne. Elle est en train de dire fuck à tout le monde.
Et tant mieux, tant mieux. Y'en a marre d'aider tout le monde. On n'est pas dans le monde des bisounours. Vous, si vous aviez un pépin, vous pensez que les gens ils vont se bouger le cul? Non. Arrêtons. On n'est pas le Père Noël. Bon allez. Je sais pas trop quoi lui dire. Oh non, attendez, mais j'ai pas envie. Non, Nathaniel, on se comprend pas dans cet épisode. On se comprend pas. L'épisode d'avant était sur le point limite de se faire un roulage de pelle. Mais cet épisode, on se comprend pas. On a pris trop de distance. Il y a un souci là. Non, mais franchement. Bon. Je sais pas trop quoi lui dire. Oh non, on parle même pas. Oh non, alors là, clairement, il va dormir sur le canapé là. Oh non, ça va être l'hôtel des culs tournés. Oh non. C'est pas grave, il fallait cette cassure peut-être. Je crois qu'on a besoin de cette cassure. Il m'a peut-être pris pour une folle. Il s'est dit, attends, mais c'est bon là. La meuf, elle est toujours collée à mon arrière-train. J'ai besoin de prendre du recul pour me rendre compte que je suis accro à elle. Parce que c'est vrai qu'une personne qui te... est vraiment cinglée. Ben voilà. On va revenir en force, il y a toujours des hauts et des bas. Mais c'est ça, je pense qu'il y a besoin de recul. Oui, l'hôtel des culs tournés, ouais. Ça veut dire qu'en gros, chacun dort de son côté. Et il y a rien qui se passe. L'hôtel des culs tournés. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se retourne. Enfin, bon. Allez, on y va. Enfin, vous avez bien compris, quoi. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh, Flavie. Flavienne, Flavia. Tu vas bien? Mais je te donne même pas l'heure, toi. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Mais Nathaniel n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais si je te le dis, tu vas vouloir le pécho. Sa sœur lui a fait voir de toutes les couleurs, d'après ce qu'il m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. Oh là là, il a... Et je vais la déglinguer. Oh là là, il doit se sentir seul. Mais non, il doit pas se sentir seul à la base. Je suis sûr que c'est de ta faute. Je suis sûr que t'as voulu foutre la merde, en fait, c'est ça? Je pense qu'elle, elle veut foutre la merde. Vous avez pas trouvé ça bizarre? Eh, elle, c'est obligé, c'est une fouteuse de merde. Vous savez pourquoi? Depuis qu'elle est là, je trouve Nathaniel vachement distant. Je trouve que Nathaniel est vraiment bizarre depuis qu'elle est là. Depuis qu'elle travaille avec Nathaniel. Je trouve qu'il y a Anguille sous caillou. Salut Robert. Il y a un truc. Depuis qu'elle est là, mon Nathaniel a changé. J'ai l'impression qu'elle fait la satni touche, mais elle les touche vraiment. Elle touche bien même. Ouais. Elle commence à me saouler, j'ai envie de la tarter. Elle fait trop la gentille. Ouais, la satni touche de mon cul là. Ouais, c'est ça. Non, je sens que elle, c'est genre la meuf, elle passe en zoom, tu vois? Genre, elle fait ses coups de pute et après, c'est... Oh là! Ouais, non, je vais me la faire. Ouais, je vais me la faire. Elle veut pécho Nathaniel, au bûcher! Exactement! T'aurais pas une idée pour lui remonter le moral? Eh ben, il aime bien les chats. Je sais pas si tu le savais. Mais bien sûr que si, je le savais! C'est mon homme! Oh, regardez, même elle, comment elle peut le savoir? Je vais la défoncer. Comment elle peut le savoir qu'il aime les chats? Ça veut dire qu'il a quand même parlé de ça avec sa tenitouche. On est bien d'accord. Parce que on dit pas à tout le monde qu'on aime les chats ou les chiens. Si t'as dit à quelqu'un que tu aimes les chats et les chiens, c'est que t'as quand même eu une discussion lambda. Et t'as eu le sujet a été sur le tapis. Mais je me demande, est-ce qu'il y a autre chose qui a été sur le tapis à part les sujets? J'ai l'impression que... Oh là, je vais me la faire, là, ça te touche. Ouais, je vais me la faire. Ouais. Faut la surveiller, elle. Elle le stocke. Ouais, je suis certain. Mais vous voyez, on connaît tous des gens comme ça dans la vie. On connaît tous des gens comme ça qui font genre... tout est gentil, tout est mignon. Et à la moindre occasion, ils sont là. Excusez-moi, je vais piper parce que sinon je vais me faire... Ils sont là... Mais genre, tu vois, bien... Mais genre, ils sont bien là. Ils sont là, ils sont très sympas. Et à la fin, mais ils... Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis persuadé que ça va arriver. Donc on la surveille. Ouais, on la surveille. Qu'elle fait pas la maline. Ah non, bien sûr que non. Mais un petit gadget en forme de chat lui plairait, j'en suis sûr. Quelque chose fait main, par exemple. Une petite peluche. Je vais me la faire. Eh, je vais me la faire. Eh, on peut pas. Est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment, elle? Eh, est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment? Est-ce que des gens aiment... comment ça s'appelle? Bah, Satni Touche, là. Est-ce que quelqu'un aime Satni Touche?
C'est... Ah mais attends, mais Constance! Ton émote, ça vient d'elle! Mais enlève-moi cette horreur! Non mais attendez, mais moi je vais devoir ban ça! Oh là là! Mais enlève-moi cette merde! Je veux pas voir ça! Elle est énervante! Elle m'énerve! Non! Non, elle a l'air condescendante! Non, mais ouais, elle est infernale! Elle est infernale! Personne... On va la foutre dans le congélo! On va la foutre dans le congélo! Bah après, ça dérange pas! Je vous aide! Allez, on y va! J'espère qu'il est du genre à aimer ce genre d'attention. Oh, je peux pas. Non, ça te touche, je peux pas. Ok. Achète du tissu, un nécessaire à couture. Non, mais super, non mais d'accord, quoi. Non, mais et voilà, on va tout acheter pour fabriquer. Bon, après, c'est pour Nathaniel. Ça me dérange pas. Je vais bien fabriquer tout ça. Voilà, on est vraiment une couturière, quoi. On est parti, on va prendre les aiguilles. On a du fil, on va faire une... Oh là 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 là. Bah allez, ça me dérange pas. Non, pour Nathaniel, ça ne dérange pas. Par contre, on a plus beaucoup de thunes. J'ai l'impression que la thune, elle fond comme mes vêtements au soleil. C'est normal ou pas dans le jeu? On n'a pas beaucoup de thunes, hein, quand même. J'ai l'impression que plus le temps passe, moins j'ai de moula. Il s'agirait... Et moins de vêtements aussi, hein. Mais ça, c'est secondaire. Mais la moula. Hein? Waouh. Parce que là, 5 balles. Bon, après, c'est pas trop non plus. Et en vrai, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais bon, il faut acheter. Hein. Et pour Nathaniel. Et qu'est-ce qu'on ferait pas? Hâte que la tati nous donne un peu. Bah ouais, Ariana Grande, bah donne-moi de l'argent. J'ai été bloqué pour l'argent dans le jeu. Oh alors, attendez. Alors moi, si je suis bloqué pendant un live à cause de l'argent ou des points d'action, je pète un câble. Je pète un câble. Ah non. Je joue que 3 heures par semaine. Il y a plutôt intérêt que je sois pas frustré. Ah ouais, mais tu joues combien de temps, Nao? Est-ce que tu joues une heure par jour? Est-ce que tu joues plus que ça? Histoire de me donner une info, là, parce que... moi, j'ai envie de crever, hein, moi, si je suis bloqué. Hein. Je veux pas être bloqué, hein! 4 euros le tissu, je prends. Non, mais grave. Tu vas à la maison du tissu, c'est 4 euros, t'as un petit bout, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai. Hein. Ah, je suis tranquille. Bon, bah, super. Juste, j'ai acheté des fringues. Ah, bon, bah, super. Ouais, moi aussi, je me suis fait plaisir. Mais là, je vois que, quand même, l'argent... L'argent diminue très vite. Hein? Voilà. Il faut que tu identifies Bimove sur... J'ai plus Twitter, j'y vais plus du tout. Je pose juste mon actu, mais j'y vais plus, malheureusement. Mais ok, ça marche. Merci à vous. Alors, on continue tout ça. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, je vais faire la couturière. Attendez. Je couds où? Attendez, c'est bon? Attendez, j'ai fait où la couture? Je fais où la couture? Achète du tissu à nécessaire... Ah. Et trouve quelqu'un pour t'aider à fabriquer la peluche. C'est pas moi qui fais la peluche. Ah, d'accord. Donc je dois trouver une pigeonne pour faire la peluche. Ok. Mais qu'est-ce qui va m'aider à faire... Attendez, une pigeonne qui sait coudre. Qu'est-ce qui peut... Qui... Ah, peut-être Violette, là. Elle, c'est peut-être... Hein? Peut-être qu'elle va faire la... Je sais pas. Hein? Je crois que c'est pas la peine de demander à Castiel. Non, mais de toute façon, je comptais pas du tout lui demander. Alors clairement pas. Et ben voilà. Elle là, je m'en doutais. C'est la seule que je vois faire de la couture. Tu es doué en couture? Oui, ça va, j'aime bien ça. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'elle sait faire de la couture. Ah, ça ne m'étonne pas. Voilà, des dessins, de la couture. Tu fais du tricot. Voilà, c'est clairement la DA que tu dégages, hein. T'es vraiment le cliché de la meuf artiste qui ne fait que ça de ses journées, alors que Dieu sait ce n'est pas vraiment ça dans la vraie vie. Mais ce personnage, c'est vraiment, oui, le stéréotype de la meuf artiste qui n'a pas de potes. Elle est toujours en train de se trimballer son truc à dessin 10 fois trop grand pour elle. Et puis elle est là, et puis elle s'en fout, quoi. Enfin, non, moi je dessine en écoutant du lofi. Enfin, non, mais c'est pour quand même un peu de respect pour les artistes, quand même. On n'est pas que ça. Oui, alors je me mets dans les artistes, bien sûr. Tout simplement parce que je vais vous rappeler le dessin que j'ai fait. Voilà, donc je le rappelle, Curem, toi-même tu sais, voilà, je rappelle le cochon d'âme. Voilà, donc j'espère que tout le monde est ok avec cette situation. Mais ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment le stéréotype. C'est le stéréotype de l'artiste. Je suis choc barre de baiser. C'est un truc de malade. Je pense que elle a pour elle avec Castiel. Genre, tu vois, il joue de la gratte, tu vois, au coin du feu, et puis elle dirait oui à tout, alors lui serait content.
Comme ça, il peut avoir un... Il peut complètement lui retourner le cerveau et puis elle serait tellement contente. Oh, Castiel. C'est les âmes torturées, exactement. Voilà, mais c'est sûr. J'aurais besoin d'aide. Une peluche de chat? Ah, c'est mignon. Oui, je peux t'aider, je pense. Super, on s'y met maintenant. On va peut-être aller à la salle de classe. Oh, bah allez, on y va. Ah, voilà. Tu sais courir un peu? Juste un peu, mais je préfère que ce soit toi qui le fasse parce que t'es une pigeonne. D'accord, alors on y va. Super. Violette a gribouillé un patron, puis elle a découpé du tissu. Clac, 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 clac. On a ensuite commencé à coudre. Elle était là, elle était complètement dans son monde. Et c'est parti. Et de 1, et de 2, et de 3. Je pensais que ce serait plus rapide. Je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais si, elle a réussi. Voilà, elle finit de coudre la peluche. Voilà, c'est bon. Je suis pas la meilleure en couture, mais j'espère qu'il te plaît. J'ai très peur. Je pense qu'elle est complètement dingue là. Elle est là, elle donne tout. Elle donne son âme. Elle est là, elle est 1, 2, 1, 2. On coud, hop là, on rembourre, on bourre, on bourre. On y va, on t'a. Oh, wow. L'hôtel des âmes torturées du cul tourné. Exactement. Ah là, elle est à fond de balle. Elle est à fond de balle. Alors non, je ne le fais pas à 100% le jeu. Enfin, j'en sais rien. Je me donne pas d'objectif pour amour sucré. J'ai pas envie de me mettre de pression. Je veux vivre mon aventure, voilà, comme avec mes choix. Et puis, peu importe, les choix auront un impact sur mon aventure. Et puis c'est très bien comme ça, je ne mets pas de pression, je m'en fous. C'est vraiment... Histoire de bien s'amuser, quoi. Aucune pression hein, pour le jeu. C'était pour toi, en fait? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, c'est pas pour toi. C'est pour Nathaniel. Nathaniel! J'aimerais bien une peluche, moi aussi. Vas-y, casse-toi de là. Casse-toi de là, vas-y, dégage. Casse-toi de là. Non, mais la meuf, comment elle gratte? Genre, elle veut trop une peluche. Non, mais... Tu veux une peluche? T'as cru vraiment que j'allais te faire une peluche? Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison, ouais. T'as raison, là, ça te touche. On y croit. Non, mais elle est complètement charbée. Hein, Nathaniel? Bon, j'espère qu'il va aimer la peluche. Tu as un souci? Oh putain, comment c'est... Attendez, je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Attendez. Il est direct avec moi, là. Il faut... Alors là... C'était glacial. Alors là, là j'ai entendu le vent. Non, derrière mes oreilles, j'ai entendu le... J'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Lalala. C'était compliqué, hein. Regarde le cosplay. Ouais, c'était bon. Non, mais en fait... Ah, c'est à vous de voter. En fait, j'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches. Donner la peluche à Nathaniel ou... En fait, j'aime bien cette peluche. Je crois que je vais la garder. Oh non. Vous avez un impact sur mon histoire avec Nathaniel. Autant vous dire que là, vous avez... Je vous laisse faire. Ça veut dire que c'est vous qui décidez. Vous pouvez me troller. Peu importe, j'accepterai la sentence. Et ça me fera beaucoup rire. Salut Inès, comment ça va? Installe-toi. N'hésitez pas. Est-ce qu'on fait réponse A? J'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches. Mais putain, mais c'est quoi ces prix? Hey, c'est quoi ces préjugés? C'est quoi ces préjugés? Ou alors réponse B. En fait, j'aime bien cette peluche et on s'en branle. On le donne pas à Nathaniel. Et peut-être qu'il ne va pas aimer la peluche. Peut-être qu'il ne va pas aimer la peluche. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous avez un impact énorme sur l'histoire. J'accepterai la sentence. Et j'ai assez foutu la merde. Vous pouvez quand même foutre la merde. Voyons, on va voir. Voilà, j'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est le jeu, c'est comme ça. Je ne peux pas non plus foutre la merde H24. Il faut également accepter le fait que vous avez un pouvoir. Ok? Bon, vous êtes 85% à avoir dit réponse A. Donc on donne la peluche à Nathaniel. Il va aimer ou pas? Imaginez, il aime pas la peluche. Oh, attendez, mais on a même pas vu à quoi ressemblait la peluche. Oh, on peut voir? Bah, elle est belle, si ça va. Elle est belle. Il va aimer la peluche. Bah, j'espère. On va voir. Ah!
attendez, mais ça va pas du tout. Oh, voyons voir. Voyons voir. Ah. Un chat, c'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir un en vrai. Merci beaucoup. Ah, ça va. Ça va. Je m'attendais à pire. Comme quoi, j'ai eu très peur de sa réaction parce que son point d'interrogation, il veut vraiment pas me parler. Hein, il s'en branle. Il s'en branle. Non, mais il s'en branle. Mais il s'en branle. Complet, il s'en branle. Non, il s'en fout. Hein, il nous dit merci par politesse. Mais on voit bien que la jauge ne se remplit pas. Il en a rien à péter. Il s'en branle d'une façon. Hein. Il trouve ça mignon. Il nous dit merci juste par politesse. Je suis vénère. Voilà, bon, il s'en branle. Ouais, il s'en fout, hein, il s'en fout. Ça se voit. Sinon, ça lui aurait fait vraiment plaisir. On aurait monté un peu de points. Là, on voit que. Bon. Sans plus, quoi. Oui, comme tu n'as pas l'air d'avoir trop le moral. Tu l'avais remarqué? 66%! Oui, je l'ai remarqué! Je suis désolé si je t'ai inquiété. Oh, mais ça y est. Ça va aller maintenant, encore merci. Oh ouais, je me suis inquiété! Oh là là! Ah, ça a l'air de lui faire plaisir! Ouais! Ouais! Oui, Nathaniel! Oui! Oui! Oh là 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 là, Nathaniel! Mais de rien! Nathaniel, ouais! Ça y est! Ça y est! Bisous là où tu sais. Ouais! On va le pécho! Oh, Nathaniel! Oh là là, 66%. Ah, ça y est! Ça y est! Super! Oh, quel plaisir! Oh, ouais! Ça y est, je deviens fou! Ça va, Novien? Oh, c'est top! Ah, enfin! Mais non, vous pouvez pas savoir! Vous pouvez pas savoir! Vous ne pouvez pas savoir! Depuis tout, alors, je ne suis pas une bolossa. Ça veut dire que jamais on me repousse dans Amour Sucré. Et là, c'est quand même le premier épisode où je sens qu'il y a de la difficulté entre Nathaniel et moi. Je sens qu'il y a un truc, ça ne va pas. On n'arrive pas, je sais pas, à communiquer. Et là, vous voyez, il y a une lumière au bout du tunnel. Merci Manu. Merci Manu pour les deux subs, merci à toi. Enfin réceptif. Alors, Cricri, ne mêlons pas Cricri ici, Cricri n'est pas avec moi. Ça va super, Novia, ça va au top, ça va impeccable. Vous inquiétez pas, c'est très bien insonorisé, vous inquiétez pas. Ne parlons pas de Cricri s'il n'est pas là, merci à vous. Ça manquait un peu de sucre, je suis bien d'accord. Ça manquait un peu de sucre, en fait ça manquait un peu de piment. Mais là c'est un peu trop pimenté à mon goût. Donc, ma foi... Je sais que, au moins ça me dit que Nathaniel, ça va pas être facile. Ça ne va pas être une aventure facile. Mais je ne lâche rien et je suis buté. Et au moins il y a des relations. Voilà, tu crois que c'est acquis et c'est pas acquis finalement. T'inquiète dame. Voilà. C'était trop salé, ça va Manu? Ouais, il y avait un souci. Hein. C'est pas grave. Voilà, t'es une guerrière. Ouais, je vais me battre. Je vais me battre pour Nathaniel. On va se battre. On va se battre! Je veux parler à Lef Ruby. Il me manque. Et j'ai perdu. Oh, j'ai perdu la bague. La bague qu'il m'a offert. Je ne vais pas lui parler si je ne l'ai pas. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. Oh, il faut lui dire! Oh, attendez, il faut lui dire. Il me manque, mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Oh! Mais attendez, il faut balancer là, il faut faire la poucave! Il faut faire la poucave là. Bah attendez, il faut le dire à Lef Ruby, mais direct. Il faut dire à Lef, elle a perdu ta bague. Oh, il t'avait offert une bague. Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver? C'est à moi de choisir. Oh, oh, quel épisode. Il est incroyable cet épisode. Alors, réponse A. Retrouver une bague dans tout le lycée. Non, débrouille-toi. Refuser d'aider. Ou retrouver une bague dans tout le lycée. Je peux essayer. Et on aide Rosalia. Salut Élise. Rappelle-toi Flavien, quand tu as voulu être gentil, ça t'est retombé dessus.
Est-ce qu'on lui dit pas un débrouille-toi? Non, vous voyez, je suis en train d'hésiter là. Non, 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 non. Attendez, il faut que je vais. Attendez, bougez pas. Je vais l'écrire sur. Attendez, je vais écrire sur un mot. Je vais écrire sur un papier. On va écrire, non, parce que à chaque fois, je. J'oublie. Voilà, donc on va écrire. Tu es une sucrète. Tu es une sucrète. Bad. Voilà, tu l'oublies pas. Voilà. Voilà, je l'écris en grand. Comme ça, on est sûr de pas oublier ce qu'on est vraiment au fond de nous. Donc, et je vais le mettre là, juste à côté de moi. Comme ça, le jour où je doute, jour vraiment où il y a un moment où je sens que je commence à être fébrile, et ben, je le pose là, je regarde ce mot, et je me dis, allez, on n'hésite pas. Donc, elle se débrouille. Voilà. Je vois. Bon, si je la trouve pas, j'irai quand même lui parler. Et ben voilà. Je suis chambard de baiser. Voilà. Voilà, voilà, super. On n'aide pas, on s'en mêle pas, elle se démerde, et tout est ok. Elle le prend pas mal, vous voyez, on est là pour s'imposer. Flavien, ne doute pas de toi. C'est super, c'est top. C'est le Kokichi. Comment ça, mauvaise plage? Oui, c'est un mot pour me dire de ne surtout pas aller à certaines plages. Parce que sinon, ouais, on n'est pas très bien là-bas, sur certaines plages. Voilà, on n'est pas une mauvaise plage. Une journée sans Ambre, c'était plutôt reposant. Mais c'est vrai ça, elle était pas là, elle. Je me demande si la Ruby et Rosa se sont remis ensemble. Bon, en tout cas, t'as bien foutu la merde. Choisir la bonne tenue. Attendez, mais c'est quoi cette tenue? C'est un pyjama? Attendez. Je vais devoir m'habiller comme ça? Voilà, bah attendez. Mais c'est un pyjama? C'est un pyjama? Ah, mais attendez, c'est peut-être parce qu'on va dormir avec Nathaniel. On va dormir avec Nathaniel. Bon, on a un peu trop habillé. Ben oui, moi j'aurais mis le haut, j'aurais fait un nœud là. J'aurais fait un nœud comme à l'ancienne. Genre, tu fais un nœud, hop, juste là. Qui sont les personnes qui ont fait ça? Tu ravales ton truc, ton pull ou ton truc et hop là, et tu fais un nœud. Oh ouais, attendez, bon allez, on valide. Allez. Putain, mais c'est quoi cette dégaine? I look so good with your boyfriend. La tenue de grosse biatch. Ah, mais j'adore. Alors, pour ceux qui ne parlent pas américain, ça veut dire je me sens si bien avec ton petit ami. Bah alors là, si c'est pas une tenue de biatch, je sais pas ce que c'est. Flavie, attends, je te cherchais. Ah bon? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, la Ruby? Non, pas vraiment. Oh, t'as l'air tout bouleversé, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te remercier pour tout le mal que tu t'es donné. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons dans ce lycée? Oh, qu'est-ce qu'ils sont vraiment trop cons, c'est pas possible. Oh là là, les Ruby. Ah, tu parles bien ton nom, toi. Complètement bourré, le mec. Ah non, non, mais... Hey. On est trop forts. Ouais. Qui sont cons? Mais j'adore ce jeu. Ce jeu est incroyable. Ce jeu, il est vraiment incroyable. Ah non, mais excusez-moi, mais merci de m'avoir fait découvrir ce jeu. Comme quoi, c'est pas les gentils qui gagnent. Ce sont les sucrètes bad bitch qui règnent le monde. Voilà, c'est comme ça. Faut s'imposer. On fout un petit peu la merde, mais pas trop. On fait la faux cul, mais pas trop. On ne se laisse pas faire. On n'est pas la pigeonne. Et personne vient t'embêter. Au contraire, on te remercie même. On te remercie. Ah, mais incroyable. J'adore ce jeu. Ouais. Cet épisode, il est lunaire. Allez, on va débriefer sur le Discord après. Hein. On va débriefer après. Hein, parce que franchement, cet épisode, il est lunaire. Voilà, ce ne sont pas les gentils qui gagnent, ce sont les mauvaises plages. Bravo, Novia. C'est trop grave. Ah, franchement, c'est trop grave. De rien. Tu sais, si ça n'a pas marché, c'est que vous n'étiez sûrement pas fait pour être ensemble. Oui, sûrement. Oui, je t'assure, vraiment. Ouais, ouais. On peut même se revoir si tu veux. Bah ouais, carrément. Oh là là.
là là là. Ah, du coup, j'ai le t-shirt qui correspond à l'histoire. Putain, mais on veut vraiment pécho. On va pécho l'œuf Ruby. Non, mais je suis mort. Il m'a regardé un instant et m'a prise dans ses bras. Je crois qu'elle a hésité, mais c'était vraiment inattendu. Oh non, je suis mort. Oh. Ah. Vraiment une grosse pétasse. Oh non, non. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh non, c'est rien. Me remercie pas. Oh, me remercie pas. Oh non, je sais pas quoi faire. Oh non. Oh oui, j'ai voulu aider ton couple. Oh là. Bon, crée plus qu'il y ait... Oh non, ta copine qui nous voit et qui nous prend en photo. Oh non. Oh, oh non. Oh non, oh non, oh qu'est-ce qui se passe? Oh non, bah alors là, mais c'est fou rire, c'est le fou rire. Oh, c'est le fou rire. Ah non, mais c'est, d'accord. Cet épisode est vraiment magique. Cet épisode, il est vraiment incroyable. Oh non, mais cet épisode, il est vraiment magnifique. Par contre, oulala, ouais, ouais, là, ça craint du Bouddha. Si Nathaniel nous voit vous faire un câlin... Pas vu, pas pris. Hein. Après, je suis pas encore en couple avec lui. Hein. Donc, pas vu, pas pris. Il peut encore tout se passer. Hein. Je lui ai offert juste... juste une peluche en chat. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne lui ai pas encore ouvert ma porte. Ni ouvert quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, pour l'instant... Je sais pas. Un peu jalousie. Ouais. Et puis, ça fera un peu de piquant. Et il va nous voir, il va peut-être être jaloux, il va vouloir défoncer la gueule de l'œuf Ruby. Et du coup, voilà, il va y avoir des remue-ménages. Genre, non, c'est pas ce que tu crois. Bon, ben, bon, en tout cas, j'ai très hâte. Merci encore pour tout le mal que tu t'es donné. À bientôt, l'œuf Ruby. C'est alors, j'ai réussi. On va peut-être se revoir. Non, mais bravo, t'as fini l'épisode 6. Ouais. Oh, c'était génial. Oh, c'était vraiment génial. Eh, c'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai fait depuis le début. Alors, l'histoire, génial. L'épisode, c'était incroyable. L'illustration, génial. Le karma va arriver. Et j'ai très très hâte, il faut pas louper ça. Le karma va arriver, je vais tellement rigoler. Ou alors, je vais le prendre mal, je sais pas. Mais au cas où, j'ai une rue de secours. Parce qu'il est pas mal non plus, hein, les frubis. Il est pas trop mal. Donc, si on peut virer... À la place de... Mais non, mais Nathaniel, mon cœur, va à Nathaniel. Va à Nathaniel. Parce que là, l'œuf Ruby, je peux pas, là, avec son déguisement, c'est pas possible. Tenue de l'épisode, pas mal. Moment avec ton crush, bah, c'était compliqué. Je peux pas dire un 5 étoiles. Parce que... je me suis senti mal dans cette relation. Je vais dire un 3 sur 5. Voilà. J'ai senti que c'était pas facile. Nathaniel n'est pas si facile. Performance du jeu, bah, on a performé comme jamais. Est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Voilà, ouais, cet épisode, il était super ou pas? On débrief un peu là. Et c'était vraiment génial cet épisode. Il est incroyable, le meilleur épisode. Et vous aussi, avec un regard en replay sur YouTube, n'hésitez pas à faire un petit débrief. Quel épisode de dingue. Ah, j'ai adoré, hein, c'était super. Ah, moi aussi, c'était trop drôle. Oh, on a foutu la merde. Non mais et franchement, on reprend du début. On a foutu la merde. Je dis on parce que vous aussi, hein. Excusez-moi, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Donc, on a foutu la merde. Et on nous dit merci à la fin. Comme quoi? Ah bah c'est lunaire. C'était drôle. Bon bah super. Oh bah trop content. Écoutez, c'est super. Prochain épisode. On y va. Pyjama party. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Est-ce qu'on va dormir avec Nathaniel? Oh, on va peut-être dormir chez lui. Mélodie organe. Oh non. Non mais je m'en fous. C'est l'occasion de se retrouver entre amis. Mais c'est pas ma pote. Et discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à Glenn. Oui, c'est... Non, c'est super. Oui, oui, c'est super, les pyjamas parties. Ouais, notamment la dernière phrase, là. Voilà, quelques infos intéressantes. Oui, non, j'adore les pyjamas parties. Ouais. Moi, j'adore ça. On va aller voir ça. Oh, merci, ma puce. Oh, waouh. Il va y avoir des ragots. Alors, écoutez-moi bien. On va employer les termes. On va aller à la pyjama partie. On va aller chez... Mélodie, là. On va aller chez elle, là. Ça te touche. On va chez elle. On va lui demander vraiment qu'est-ce qu'elle pense de Nathaniel. Voilà. Si elle a vraiment un crush sur lui ou pas. Si elle a un crush, je brûle sa chambre.
Si elle n'a pas de crush, on repart. Tranquille, y a pas de souci, je casse juste sa vitre. Aussi simple que ça, voilà, histoire de me défouler. Mais si vraiment elle a un crush sur lui, je la défonce. On est d'accord? Voilà. Ou la cave, ça peut être une... Ouais, ça peut être une idée. On peut la mettre dans le congèle. À vous de voir. Congèle, la cave, ou alors, écoutez, on peut même combiner les deux. On l'enferme dans le congèle et on enferme le congèle dans la cave. Eh, complètement dingue. Double punition. Ça vous va? Elle est super. On fait ça? C'est une bonne idée? Ouais? Elle est top. On fait ça. Bonjour Flavie, je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, la Rosa et les choses se sont arrangées. Oh putain. Bah tant mieux, écoute. Elle m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Ah, contente pour toi. Bah c'est exactement ce que... Ouais, voilà. Alors moi je suis pas content. Alors, oui, je suis content. Je suis content, voilà. Enfin, je m'en fous concrètement. J'aurais pas dit non à un plan B. Mais bon, écoute, tu t'es remis ensemble. Y'a pas de souci. C'est pas grave. Merci. Ariel Dombal avait l'air d'être en colère contre toi lorsque nous en avons parlé, mais j'imagine que ça lui passera. Ah oui, sûrement. Tu m'étonnes qu'elle m'en veuille, j'ai essayé de lui piquer son copain. Oh là. On se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je te souhaite bonne continuation. Merci toi aussi. Voilà, bon, on s'en fout de toute façon. Oulala. Oulala. Il va y avoir de la tension avec Ariel Dombal. Ça y est, ça va être intéressant. Salut Ariel Dombal. Elle n'a vraiment pas l'air contente. Je vais agir en adulte et je te ferai pas payer pour ce que tu as osé me faire. Ah, c'est trop aimable. Je voulais seulement te dire que je suis déçue. Oui. Oh, j'espère que tu comprendras vite qu'on paye toujours le mal qu'on fait aux autres. Ouais, merci pour l'info. Elle est repartie. Elle est partie respirer son eucalyptus dans son jardin. Elle est là pour... Mais c'est sûr qu'on paye. Si on fait du mal, le karma va venir nous mettre une petite fessée. Oui. Mais moi, ça me dérange pas. Bon, super. On va se rhabiller quand même. Parce que là, c'est un peu trop vêtu. On va remettre notre tenue adéquate. Hein, parce que là, c'est un peu trop sage. Et pourquoi on se mettrait pas en dessous? Non, lui, c'est un peu trop quand même. Et là, c'est un peu trop sage. Voilà, le haut, il est quand même plus joli. On sait ce qu'on vaut. On n'est pas venu là pour... Hein? Bon. Voilà. Ça va bien, 5 minutes. On retourne au lycée. Mais c'est quoi qu'on révise? On a aucun objectif. Oh là, pourquoi réviser? Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, Flavie, qu'est-ce qui ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, bah super, bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est pas le problème. D'accord. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors j'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir. Et comme je vais avoir la maison toute seule, bah je suis complètement thug, je vais faire une pyjama party. Oh, bah c'est super. Ça a l'air sympa. Pourquoi tu pourrais pas en faire une? Bah je peux pas prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. À vous de voter. Réponse A. Si tu demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Réponse B. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Ou alors réponse C. Oui, c'est vrai que sur ce coup-là, tu abuses. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on vote pour notre très cher Satnetouche? Réponse A. Réponse B. Ou réponse C. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne soirée à Maury, merci à toi. Ouais, t'inquiète. Ça dépend de sa réponse, ça dépend de la pyjama partie. Ça dépend de ce qui va se passer. Si jamais vraiment on sent que ça ne va pas, que ça ne colle pas entre nous, ouais, t'inquiète pas. T'inquiète que je prends pas de gants et je brûle sa baraque. T'inquiète point. Bah oui, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, est-ce que Amodo est disponible pour faire le sondage, s'il vous plaît? Merci à vous, sinon c'est pas grave. S'ils sont pas disponibles, vous m'écrivez la réponse dans le chat, hein, n'hésitez pas. Vraiment, nos problèmes. Ah bah c'est super. Merci les Modo. Alors réponse A, réponse B ou réponse C? Vous pouvez voter tout là-haut. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Ou alors réponse B. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Ouh, réponse C. C'est vrai que sur ce coup-là, tu abuses. Voilà. Faut cliquer sur tout voir. Non, t'inquiète, Constance, t'excuses pas. C'est au cas où si vous avez du time. Non problème. On s'adapte. Il faut cliquer sur tout voir et vous avez accès au sondage. Tout là-haut. Il n'y a pas de réponse B. Enfin, réponse B, c'est foutre le feu dans la cave. Malheureusement, il ne le propose pas.
C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Après, n'hésite pas, Constance, à demander aux autres modos sur le channel au cas où si elle a pas avec, pour te relier pour faire les sondages. Si jamais t'es trop prise. Merci à toi, Louloute. Réponse A. Alors, si tu demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Eh ben super, allez, on y va. Tu as raison. Je vais demander aux filles si elles sont libres ce soir. Tu pourrais m'aider à leur donner leur invitation? Bah oui, voilà, on fait encore la pigeonne. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai, hein. On fait encore la pigeonne. Il y en a une pour toi. Pour Capucine. Pour Iris. Pour Violette et pour Ariel Dombal. Ok, il y a personne que je peux piffrer là-dedans. Ariel Dombal, j'ai clairement failli niquer son couple. Iris, elle est transparente comme jamais, on la verra même pas dans la fête. Capucine, bah c'est elle. Violette, voilà l'artiste déprimée là, c'est pas possible. Il y a que Kim. Je crois que Kim c'est la rappeuse, la meuf R&B là. Je crois que c'est elle Kim, hein, il me semble. Attendez. Épisode, attendez. C'est qui Kim déjà, c'est ça, c'est la chanteuse, c'est Lil Kim. On est bien d'accord? Oui, bah voilà, c'est ça, c'est Lil Kim. Voilà, c'est la rappeuse. Je suis sûr qu'elle aime le rap. Malgré son franc parler, Kim est dotée d'un tempérament protecteur. Elle a pas beaucoup d'amis proches, mais gare à lui qui osera toucher. Mais oui, ça m'étonne pas, c'est une meuf de la rue. C'est une meuf de la rue, Lil Kim. Ça m'étonne pas. Voilà. Bon bah du coup, on va aller faire la pigeonne. On va aller donner les invitations. La liste, elle est catastrophe. Hormis Kim. Moi, je veux Kim dans mes potes. Le reste, je m'en fous. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Mais pourquoi elle le fait pas elle-même? Franchement. Pourquoi elle le fait pas? Mais oui, waf waf. Pourquoi elle le fait pas elle-même? Je veux dire, t'es une grande fille. T'es une grande fille. Tu sais très bien aller prendre tes invitations que t'as fait imprimer. Tu déambules dans les couloirs du lycée. Et vas-y, donne les trucs, c'est un truc de malade. Rap à fromage, viande. Non mais attendez, c'est dingue. Ben ouais, c'est sa soirée, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, sa pyjama party. Attends, parce que soirée, on va voir. Si à sa soirée, ça commence à 18h et ça finit à 19h. Waouh, la pyjama party. Imagine, on va se raconter tous nos jardins secrets et on va manger des Haribo et des chips. Ça va être un ennui mortel, sors la tequila. Allez, on y va. Salut Mozart, l'opéra rock. Qu'est-ce que tu as, Mozart? J'ai parlé à Rosa. Ah non, j'ai parlé à... Attends, j'ai parlé à Ariel Dombal et les Fruppies. D'après Ariel Dombal, tu t'es amusé à tout faire pour qu'elle ne se réconcilie pas avec mon frère. Alors là, écoute, alors là... Oula, mais même lui il est pas content. Alors, soit je dis, mais j'y peux rien moi, il est trop mignon ton frère. Alors là, clairement je vais au kilo. Ou alors, je dis, ah bah ouais, mais c'est bon, tout le monde peut faire des erreurs. Non mais non, c'est pas des erreurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non. On ne peut pas faire des erreurs. Non. C'est pas une erreur ça. Tu as cherché à casser un couple. Non, non, qu'on se le dise. C'est pas... Ce n'est pas une erreur. Tu as clairement... Voilà, il faut assumer, hein. On assume grave. Moi, ça me dérange pas que Mozart l'opéra rock qui se retourne contre moi. Moi, tant que j'ai Nathaniel, c'est pas une erreur. J'ai bien choisi de foutre la merde. Ah, mais moi, j'assume. Il est trop mignon, ton frère. Mignon? Et c'est tout? Tu ne le connais même pas. Mais voilà, il faut être bad bitch. Eh, on est une sucrée bad bitch. Enfin, on s'en fout, moi, des états d'âme, des gens. Ouais, bon, c'était pas une très bonne excuse. Ou justement, c'était l'occasion de le connaître un peu. Bon, on va dire que c'était pas une très bonne... Bah... C'est l'occasion de le connaître un peu. Non, c'était pas une occasion. Non, c'est juste pour foutre la merde. C'est pas une très bonne excuse, c'est sûr. Il m'en veut beaucoup, on dirait. Bon, bah tant mieux. Voilà, mais au moins, je suis bien dans mes baskets. Voilà, je voulais pas faire connaissance. C'était juste pour foutre la merde. Donc, je suis bien dans mes baskets. J'ai assumé jusqu'au bout. C'est top. Faut assumer notre côté, hein. On est comme ça, mais... Hein. On n'est pas venu là pour faire des potes. Donc, écoute. Au moins, il a... Vous avez vu? Vous avez vu, Mozart? Il était pas déçu, hein, de notre réponse. Il était même pas étonné. Voilà. Il a compris qu'on était là pour foutre la merde. Mais nous, on est là pour assumer, c'est tout, hein. Vous avez vu, hein? Il était pas déçu, puis il était pas non plus heureux. Il s'est dit, bon, ok, t'as voulu foutre la merde, t'es une sacrée connasse. Mais bah, écoute, c'est comme ça. Voilà, c'est pas grave, on va pas mytho. On sait que t'es une connasse, et bah, c'est pas grave. Parce que Mozart, il est intelligent. Voilà.
il fait pas que des tournées de comédie musicale. Non, il est intelligent. Allez, on va lui donner les invitations. Moi je regrette que dalle. Salut Mélodie, elle fête son anniversaire. Tiens, t'y vas aussi si j'avais su. Elle t'en a parlé alors? Elle vient me donner mon invitation, j'hésite presque à lui rendre maintenant. Eh ben ça m'arrangerait que tu viennes pas. Voilà, je te la donne, parce que je suis bien gentille. Voilà, je suis bien sympa de te donner l'invitation. Mais sinon, sans plus. Hein, tu viennes pas, ça m'arrange. Ah non, je vais venir, on ne sait jamais, je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Je vais te défoncer, toi. Oh là 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 là. Oh là là, ça va être une rivalité. Mais j'adore ça. Ah, j'adore ça. J'ai complètement saigné. J'adore ça. Parce que ça va pas être la simple pyjama partie de base. On va pas s'ennuyer. Là, je suis venu là clairement pour montrer c'est qui la meilleure. Ah ouais, Capucine, elle est insupportable. Ah ouais, là, nous on l'appelle Annabelle. Ah, la très chère Annabelle. Oh là là, bah écoutez, on va en faire notre 4 heures à la Annabelle. Et ça va être dent pour dent. Ah oh ouais, elle est insupportable. Oh, elle est de retour, elles sont de retour. Les Totally Spice de Wish, elles sont de retour. Ah bah, hey, elles m'ont presque manqué. Alors, tu t'es bien amusé pendant que j'étais pas là? Ouais, c'était le pied. Tu voudrais pas retourner chez toi? Oh non, j'ai beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de choses qui te concernent. Ouais, c'est ce qu'on verra ça plus tard. Allez, ciao. Ciao, on verra ça. Elle va se venger. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais ça peut me faire marquer des points parce que si elle se venge et que je me plains à Nathaniel va prendre ma défense. Il dit non, tu vas trop loin. Sereine, tu vas trop loin. Et moi, évidemment, je l'acteur en français. Je joue la sucrète qui est vraiment perdue et déstabilisée parce qu'on lui a mis la misère dans le lycée. Ah, Nathaniel, non. Ah, je me sens pas bien, Nathaniel. Alors que je suis clairement une manipulatrice. Oui, il nous sauvera. Mais c'est même sûr. Dis-moi. Oui. C'est vraiment immature comme réaction. Cette histoire entre Lef et moi ne te concernait même pas. Oh, c'est à vous de répondre. Ou alors non, rien en fait. Ou c'est... Allez, arrête de faire la tête. À vous de voter. Qu'est-ce qu'on fait avec Mozart? Est-ce qu'on dit réponse A? C'était vraiment immature comme réaction. Ou alors réponse B? Non, rien en fait. Juste on le casse les couilles. C'est insupportable. Ou réponse C? Allez, arrête de faire la tête. Qu'est-ce qu'on fait avec Mozart? Réponse A. Réponse B. Ou réponse C. À vous de voter. On clique sur tout voir. Merci les modos. Alors je vais ouvrir le sondage prévu à cet effet. Qu'est-ce qu'on fait avec Mozart? On fait quoi avec Mozart? On fait quoi? Vous êtes 60%, 64% à dire. Allez, arrêtez de faire la tête. Arrêtez. Eh bien, est-ce qu'on va vraiment crocher sur Mozart l'opéra rock? Parce que, alors, je vais vous confesser quelque chose. Plus je le vois, plus je le trouve pas mal. Voilà. Ça, c'est dit. Mais je ne peux pas m'enlever Nathaniel de la tête. Parce qu'il est trop... il est trop fantasy pour moi, là. Il est trop fantasy. Je suis déjà fantasy. Si j'arrive, on va se dire épouvantail. Je veux dire, c'est quoi ce couple, là? C'est bon, wesh, on est où, là? La tournée des folies bergères, enfin... Je peux pas sortir avec lui. C'est pas possible. Je ne peux pas sortir avec lui. On va se dire, attendez, c'est quoi ce bordel? Ils font une tournée mondiale ou quoi, là, les deux? Donc, bon. 73%. Donc, allez, arrête de faire la tête. J'ai rien à te dire. Ok. Très bien. Ça m'arrange. Ça me déçoit pas. Je ne suis pas déçu. Tout est ok. Tout va bien. Il est pas... Voilà. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Voilà, c'est ça. Non, je te parle pas. Tiens, revoilà Ariel Dombal. Je sais que tu voulais pas me voir, mais Mélodie fête son anniversaire ce soir. Elle m'a déjà donné son invitation. Elle en assiste pas. On s'en branle. On est une star. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais j'ai rien à te dire. Très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Ouais, c'est ça. On va l'éviter au max. Salut Souvana. On en est où dans le game? On est à l'épisode 6.
J'ai foutu la merde un peu partout où je passais. Et là, on est à la pyjama party. Je suis en train de donner des invitations à des gens que je n'aime pas et qui vont potentiellement passer la soirée avec moi. Donc, autant te dire une grosse galère. Prends place. Donc, on esquive la... Ah, Kim, je t'adore. La badass du lycée. T'as rien prévu de soi, il y a Mélodie qui... Bah, mais elle, est-ce qu'elle va se mélanger avec... Non. Est-ce qu'elle va se mélanger avec nous? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Bah évidemment, mais évidemment. Mais évidemment, c'est tellement normal. Qu'est-ce qu'on va se foutre là? Ah là, cette pyjama partie. Mais elle est comme moi, elle. Tu peux pas annuler? C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire. Cherche pas, je peux vraiment pas, désolé pour... Mais évidemment. Mais évidemment, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Mélodie? Mais grave, mais fais ta vie, oh là. Elle va y aller parce qu'elle... Elle, on parie combien qu'elle y va? Vous voulez qu'elle fasse quoi de ses journées? Alors c'est soit elle y va parce qu'elle est toute seule, elle a pas de pote. Ou alors elle est trop timide. Je sais pas si je pourrais sortir de ma zone de confort. Parce que moi je suis habituée à dessiner et faire des bouquets de fleurs et du crochet. Donc je sais pas si j'arriverai à sortir de chez moi. J'ai pas d'amis, je suis toujours là dans ma chambre. Et obligé c'est ça. On va voir. Tu es invitée. Je suis sûre qu'elle va être très surprise de l'invitation. C'est aujourd'hui son anniversaire? Ah mais je savais pas. Tu pourras venir alors? Ah mais oui, mais bien sûr. Bah évidemment. Elle fait jamais de pyjama party. C'était tellement une évidence. Elle va être contente. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es bien curieuse, le petit quelque chose qui te regarde pas? Allez, un indice. Un truc perso, ça m'aide pas beaucoup. Mais putain, mais on est vachement curieuse. Oh, Nathaniel. On est vraiment curieuse. Ouais, on est vraiment curieuse. Tu sais que c'est l'anniversaire de Annabelle aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Alors à moi de voter. Hein. Moi aussi, mais il ne m'avait rien dit alors que je risquais pas de m'en souvenir. Tu lui as fait un cadeau? Comment ça se fait, elle t'en avait parlé? Je sens que je vais faire encore une connerie. Je sens que je vais faire encore une bêtise. Merci pour le lurk, Constance. Les amis, mes petites sucrètes. Je sens que je vais faire encore une connerie. Je sens mal. Je le sens mal. Je sens que je vais faire une connerie. Alors, est-ce que je dis réponse A? Moi aussi, mais elle m'avait rien dit. Alors je risquais pas de m'en souvenir. Tu lui as fait un cadeau? Juste, tu lui as fait un cadeau. Il va pas baisser sa jauge. Avec un tu lui as fait un cadeau. C'est une question lambda. Allez, tu as fait un cadeau. Non, je lui ai seulement souhaité un bon anniversaire. Et moi, tu me ferais un cadeau pour mon anniversaire? Oui. Imagine, il me dit non. Oh non, attendez, j'ai peur de la réponse. Ah, j'ai très peur. Tu me feras un cadeau ou pas? J'ai très peur de me manger un râteau. Bien sûr. Ah, Nathaniel. Oh là 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 là. Oh, Nathaniel, oui. Oh là là, je baisse la lumière, je l'augmente, je baisse. Oh là là, regardez. Oh oui. Peggy 18. Nathaniel, oh là là, mais bien sûr. Ouh. Bien sûr qu'il va faire un cadeau. Bah évidemment. Évidemment qu'il va nous faire un cadeau. Oh là 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 là, Nathaniel. Nathaniel, il est vrai. Oh, c'est un homme à marier. Ah, Nathaniel, c'est sûr. Je suis vraiment un croque-love. Non mais évidemment. Évidemment. Merci Nathaniel, on ferme la discussion. Allez, tu repars comme une queen. Donc tu secoues les cheveux. Hop. Et hop, tu regardes pas derrière toi. Super chef. Top. Ça me fait penser qu'il faut que je passe un coup de fil avant ce soir. Ben, super. Il faut que je trouve un cadeau pour Mélodie. Super. J'ai à diète maintenant. On s'en fout. À qui j'ai pas envoyé la... J'ai donné toutes mes invitations, et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Ah, c'est dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûr que nous allons passer une très bonne soirée. Ah ouais, ouais, on va s'amuser, ouais. Ah, j'ai très hâte d'y être. Va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. Bah, peut-être faire des cours, non? Peut-être suivre les cours? Est-ce que ça va être maintenant qu'on va suivre des cours? Qu'on va réviser? Qu'on va faire nos devoirs? Je sais pas, est-ce qu'on a peut-être pas des... Des petits examens à passer à la fin d'année? Enfin,
quelque chose à faire. Ça pourrait être pas mal, pas, je veux dire, ah bonne idée hein. Je veux dire, ce serait pas trop mal. C'est la seule, ouais. Non mais ouais, le trouver quelque chose à faire. Moi j'adore foutre la merde, mais ça me dérange pas non plus de m'instruire. Non mais ouais, accessoirement quoi, enfin, enfin, il y a un moment, il faut bien s'instruire. Quel canaille. Vraiment ce jeu, vraiment incroyable. Tu n'as toujours rien à me dire, mais rien, mais bouge de là toi là. Elle casse les pompons elle. Oh là, Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, vous savez. Si la journaliste au final a dit ok, vas-y, c'est bon. Je te donne 2000 pièces. Voilà, évidemment. Alors, on a prévu de faire une soirée pour la pyjama partie. Voilà, parce que voilà, ses parents sont partis. Elle veut en profiter, donc ses parents ne sont pas au courant. Donc n'hésite pas à en faire une breaking news pour qu'ils puissent l'apprendre. Oh bon, on ira tout répéter, Val. Ah ouais, avec une force de malade. Mais on va voir, est-ce qu'il y aura de l'argent? Nous allons voir ça. Voilà, on se barre là. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. Oh. Non, on s'en mêle pas, on s'en fout. Mais peut-être que j'allais acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème c'est que je sais pas du tout quoi lui prendre. T'aurais pas une idée de cadeau? Mais lui va pas nous aider. C'est pour Mélodie, alias Annabelle. Non, j'ai aucune idée. Tu sers à rien. T'as vraiment des vannes pourries. Ah, c'était pas une vanne. Je suis de bonne humeur. C'est normal, t'es complètement cinglé. Voilà, c'est clair, net et précis. Je commence à te connaître. C'était pas une vanne. Non, non, je pensais vraiment que t'étais vraiment choc-bar. T'étais vraiment cinglé. C'était vraiment pas une vanne. Complètement. Non, non, c'était pas une blague. C'était pas de l'humour. Alors on va acheter quoi à Annabelle? Un album? De qui? De Ariana Grande. Stars from Nightmare. D'accord, bah des Stars from Nightmare, bah bien sûr. Allez, on va acheter l'album, ça va lui faire plaisir. Bah c'est un beau cadeau ça, un album. En vrai, t'arrives en soirée, tiens, tu offres un album, un CD, un vinyle, un truc, c'est pas mal. C'est un beau cadeau quand même, moi je serais content. Bah ok. Moi je trouve que... Je trouve qu'on est pas trop dégueulasse. C'est quand même un beau cadeau. On peut se barrer là ou pas là? C'est bon, j'ai le cadeau. Trouver une idée de cadeau pour Mélodie. Ah, c'était pas pour elle? Bah attendez, je crois. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Bon, surtout qu'il y a marqué quand même. C'est pas qu'ils sont, ils sont démodés. C'est quand même marqué sur son pyjama. Je me sens bien avec ton petit copain. Et je serai en compagnie de la meuf avec qui j'ai voulu foutre la merde dans son couple. Donc je pense pas que ce soit adapté comme pyjama. On va essayer d'en trouver un autre. Alors attendez, est-ce que je me la joue? Attendez pour voir. Attendez, attendez, attendez. Là on va être stratégique. Parce que Nathaniel, j'ai remarqué qu'il aime les filles un peu prudes. Re-Jocelyne. Parce que là, clairement, je pourrais peut-être lui montrer une autre facette de ma personnalité. Donc, vous voyez, genre dans la vie de tous les jours, je suis une grosse bombasse. Mais pendant la nuit, je peux peut-être lui montrer que je sais être réservé et timide. Et ou alors, clairement, je lui montre une grosse fraise sur mes tétés. Et t'es une biatch ou... Allez, grosse fraise. Allez, super. Non, mais grave. Grosse fraise. La grosse fraise sur les tétés. Non, mais grave. Pourquoi j'hésite encore? Ouais, non, mais grave. Non, mais t'as raison. Allez, on y va. Non, mais bien sûr. Ah, par contre, on va enlever les chaussures, là, excusez-moi, là, mais on y va à pieds nus, là, pyjama party, vous avez des petites chaussettes. Voilà, les petits pantoufles. Oh non, mais grosse biatch. Non, non, c'est bon. Voilà, les petits pantoufles. Ouais. C'est pas mal. Voilà, oh ouais, grosse biatch. Oui, oui, non, mais ouais. Mais ça aurait pu être une stratégie, les amis, vous savez. Je pense stratégie. Après, concrètement, si Nathaniel est dans la soirée. Bon, je ne pense pas. Mais le pyjama, on peut l'enlever rapidement, enfin, on s'en fout. Mais on est bien d'accord que c'est cette tenue. Alors là, si je ne fais pas d'effet, je pense que les filles vont être jalouses. Ah, vont être grave jalouses. Surtout avec la grosse fraise sur mon tété. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Ça va le faire. On va pécho. On va grave pécho. Hein.
Je suis désolé, mais on dirait qu'on sort d'un hôpital. De ouf, avec la tenue verte de malade. Allez, super. Et voilà, un pyjama tout neuf. Et je me balade dans le lycée en pyjama, tout est normal. Voilà. Retourne au lycée pour débloquer un nouvel objectif. D'accord, on est en pyjama dans le lycée. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais voir Mélodie. Et prête à y aller, elle aussi. Voilà, on va parler à Mélodie. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Ah, je t'ai cherché, moi aussi. On va pas tarder à y aller chez moi, tu es prête? Bah ouais, je suis carrément en pyjama. Je suis grave, alors attendez, j'ai pas fait plus court. Eh, le short de tout à l'heure, il était grave court. Mais alors là, si on voit pas marrer, on voit personne, je veux dire. Là, là c'est 50 milieux sous les mers. Je veux dire, là, laisse tomber. Tous les sous-marins me voient. On est bien d'accord. C'est Nausicaa, là, dans le lycée. Y a tout le monde qui me voit, là. On voit marrer. C'est même obligé là, on voit clairement toutes les lunes. On voit tout là. Allez, on y va. Alors on y va. Bah oui, on y va. Allez, on y va. Bah écoutez, on va voir. Est-ce que ça va être marée basse ou pas? Je pense pas. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites. Mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites, fais comme chez toi. Bah il faut pas me dire ça. Oh, on va pouvoir faire la fouinasse. Oh, faut pas me dire ça. Oh mais bien sûr. Oh, on est chez la fouinasse. Attendez, parce que ça va être mon ennemi, je suis... Oh, il ne faut pas me dire ça. On va visiter chez Annabelle. Alors là, clairement, je fouille toutes les pièces. La salle de bain. Oh, elle est aussi grande que la mienne. Non, mais il faut fouiller. Il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Non, fouille les tiroirs. Non. Oh, putain, on peut pas fouiller les tiroirs. Quelque chose ne va pas? Je suis désolé, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance. Ah, c'est pas grave. On va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Ah, je peux pas y aller. Je vais pas laisser les filles toutes seules chez moi. Mais je vais aller voir en vitesse parce que je suis une grosse pigeonne. Elle m'énerve. Elles sont dans mon casier. Et pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je m'inquiète pas. Il n'y a pas de voleur. Je sens le piège. Bon, je vais aller chercher tout ça. Oh, me revoilà au lycée, maintenant en direction le fond du couloir. Je sens le piège. J'ai l'impression qu'on veut m'enfermer. Le casier de Mélodie est là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée. Oh, on est en train de me piéger. Je le sens là. Je ferais mieux de vérifier. Personne n'a toute chose à faire de Mélodie. Et même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Oh, pour le moment, je vois personne dans le couloir. Comme quand j'étais resté pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel... Oh non, me dites pas qu'on va rester enfermé dans le lycée en culotte. Bon, ça m'arrange chez Nathaniel. Oh là là, Nathaniel. Oh, Nathaniel, il me voit dans cette tenue là. Ah, j'espère que ça va lui plaire. Mais après, c'est un peu trop chaudasse quand même. J'en ai autant à ton service. Tu as une vie en dehors du lycée où tu ne rentres jamais. Oh là là, c'est à vous de voter. Est-ce qu'on fait la réponse A ou on fait la réponse B? Je sens le piège. Je sens qu'ils se sont ligués contre moi pour me foutre la honte dans le lycée. Mais moi, ça me fout pas la honte. Hein. Si on peut m'enfermer dans le... Je préfère être ici, enfermé dans le lycée avec Nathaniel, qui fait des heures sup, que d'être dans la soirée, là, pyjama party qui est éclatée au sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Réponse A. J'en ai autant à ton service. Tu ne rentres jamais chez toi. Ou réponse B. Tu as une vie en dehors du lycée. On vote quoi? Réponse A ou réponse B? Le sondage est là-haut. Merci les modos encore. Hein. Wow, les modos, ils sont au top. Merci infiniment. Réponse A ou réponse B? Merci Val. On fait quoi? Réponse A ou réponse B? Eh, j'espère qu'il a vu la grosse fraise que j'ai sur la tête. Nathaniel, est-ce que tu aimes les fraises? J'adore ça. J'ai une grosse fraise là. Ça te tente pas avec un petit peu de... De chantilly? Hein, ça te tente pas? Ça ne te tente pas? De manger la fraise? Bon, on fait quoi là? J'ai même pas vu les réponses. 89%! Elle est top! Tu rentres jamais chez toi? Il va le prendre mal. Non! Il le prend pas mal! J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Oui, y'a pas un chat! Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard, j'ai cru entendre des rires. Oh, des rires? Je vois, je vais aller voir qui est là. Ouais! On a 71%! Yes! Ah, mais quel bonheur! Quel bonheur! Tiens, il y a quelqu'un ici!
Évidemment, je m'en doutais. Évidemment, je m'en doutais. Mais oui, Gerval. Bien sûr qu'il Gerval. Il est au top. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi, là? Fiche-moi la paix pour une fois, tu veux. Et toi, t'es là pour attraper ton retard? Ah tiens, je dis ça, un gros bim dans ta gueule. Hop là. Parle pour toi. Eh, hey, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui dis. Espèce de vieille... Voilà. Allez, c'était que des chips et des boissons. Tu n'as qu'à aller en racheter. Espèce de sale peste. Va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Non mais attendez, c'était pas... Attendez, mais ça c'est pas prévu dans le programme. Ce n'est pas prévu dans le programme d'aller acheter des chips. Ah non, c'est pas prévu. Oh, putain, on va aller racheter des chips. Bon, après j'achète des chips, je fais plaisir à l'autre. Mais je soutiens le fait que la sœur de Nathaniel, c'est vraiment une sale tabanque. On ne l'aime pas. Mais oui, encore acheter, regardez. Regardez la monnaie, elle fond de malade. Non, je pense qu'elle va me rembourser. Ouais, elle va me rembourser, je pense qu'elle va me rembourser. Allez, on va aller acheter de la bouffe. Des sodas, des chips, des cookies. Voilà. Tout pour passer une très bonne soirée au sucre sucré. Voilà. Super. Trouver une idée de cadeau, bah c'est bon. Je peux me barrer, c'est ça? J'ai acheté ce qui manquait. Je vais retourner chez Annabelle. Elle doit être dans sa chambre. Allez, on y va. Elle n'est pas dans sa chambre. Oh là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ton pyjama là? C'est quoi la vieille lutin là? Mais attendez, mais c'est pas du... Mais c'est quoi ce pyjama? Ce bonnet là, mais ça va pas du tout là. Tu t'es cru Mère Noël ou quoi là, le lutin de Noël? Mais ça va pas du tout. Bon, en même temps, ça me rassure. Attends, bouge pas chérie, je prends une preuve. Super, comme ça quand tu feras la maline, je vais montrer à Nathaniel, ok? Voilà, j'ai screené tout ça. Comme ça, je suis sûr, j'ai de quoi montrer. Histoire, parce qu'il y a moi et il y a toi. Hein, y a clairement un gros décalage. Elle a 5 ans. Non, mais c'est ça. Donc, si jamais Nathaniel il a un doute, je lui dirai excuse-moi, regarde ça, chérie. Il se foutrait de sa gueule. On rirait. Oh, on rit. Tu t'es déjà mise en pyjama? Désolé, Flavi, nous ne t'avons pas attendu. Bon, t'inquiète, j'en ai rien à foutre de votre soirée. Oh, merci, machin là. Voilà. Oh, le pyjama lui va comme un gant. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, je dois l'avouer, t'es pas mal. Ouais. Même si j'ai voulu casser ton couple. Je voulais pas du tout pécho ton mec, hein, j'en ai rien à faire. Mais je voulais casser ton couple. Mais c'est vrai qu'il te va bien. Je dois le dire. C'est un très beau pyjama. Après, peut-être que c'est une amitié qui commence difficilement. Mais que je vais être ami avec Ariel Dombal. Genre. Peut-être. On est toujours pas dans sa chambre, d'accord, dans la salle de bain. T'as mis du temps, tu as un problème? Oui, Ambre avait mangé tout ce qu'il y avait dans ton casier. Oh, c'est vrai, alors il n'y a plus rien? J'ai tout racheté. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on devrait faire avec les restes du frigo. Non, non, ça va aller, non merci. Il me reste que des endives. Oh, mon MDR. Oh, MDR. Imaginez la soirée de merde. La pyjama partie de mort. Bah alors on y va. On met un peu de musique. Je vous ai préparé des endives. Bon après j'aime bien les endives. Mais alors oh, c'est pas le truc que je penserais à donner à mes convives. Si on faisait une petite soirée pyjama party. J'allumerai des petites bougies. Je mettrai de la musique, voilà. Des petits toasts, des machins, etc. Mais pas des endives. Mais alors aucunement je penserai à des endives. Ouais bon on va bouffer des trucs très industriels et on passera une bonne soirée. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Mais elle est con quoi. Mais je suis en pyjama là. Je suis en pyjama. Elle est vraiment têteux. T'as cru que j'étais en costard cravate ou quoi chérie? Réveille-toi là. Endive au jambon là. Ça se voit que je suis en pyjama. Mais elle est con quoi. It's my pyjama. Je peux pas faire plus là. Je crois qu'il y avait quand même un... Elle a un souci. Elle est complètement aveugle, Andy Beaujambon. Elle a un problème.
Bisous Manu, bye bye, merci à toi. Non mais elle a un souci, hein. Je suis sincèrement désolé. Hein. Mais Andy, concentre-toi. On va bien s'amuser, j'en suis sûr. Quel carnage. Eh, hey, quel carnage. C'est un enfer, c'est un enfer. Mais elle a plus de la merde. Elle a deux grosses endives sur les yeux. Genre des grosses endives, tu vois, mais bien énormes. C'est même plus, hein. C'est même plus être aveugle. Ça y est, tout le monde est prêt? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Mais ça se voit! Mais excuse-moi, là, endive! Ça se voit! Je vais l'appeler endive. Voilà. Ça se voit, endive! Je suis en pyjama! C'est pas possible! Ça se voit! Mais oui, mais elle est complètement teuteux! Il est mignon ton pyjama, Flavie! Merci. Ouais, il est pas mal! Eh, hey, y'a bientôt plus de chips? Mais qu'est-ce que t'as? Mais toi, t'as. Eh, hey, toi! Écoute-moi bien! Quand on ressemble à un lutin du Père Noël, on devrait même pas l'ouvrir! D'accord? Je vais même pas te caler, toi, de la soirée! Non, mais je suis mort! Eh, hey, lutine! Non, mais attends! Ça va pas du tout là. Et va emballer les cadeaux là, tu serviras à quelque chose. Non mais, nous avons commencé à parler de tout et de rien. Et Ariel Dombal a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine. C'était complètement dingue, voilà. Waouh, ça fout la merde. Tout s'est fini en bataille de polocho. Jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Ah là là, allez tiens, polocho. Oh stop, non arrête. Oh, arrête. Stop, Andive! Non, arrête! Mais c'est quelqu'un? C'est toi! Aïe! Aïe, tu m'as fait mal! Mais c'est quoi ça? C'est pas un oreiller! Ah oh, merde, c'était le dictionnaire! Mais t'es con! Bon, alors donc. Mais calme-toi, chérie! Moi jamais traité comme ça! Mais calme-toi! Donc nous avons commencé à parler des garçons, tout ça, etc. Ah! Voilà! Là. Ça devient croustillant. Oula! A, B, C, D, O, E. Alors écoute-moi bien. Quel garçon est-ce que tu préfères? Mais... Ah putain, attendez, parce que si je lui dis que j'aime beaucoup Nathaniel, est-ce qu'elle va pas me le piquer en div? Ah non, clairement, est-ce que je vous laisse le choix ou pas? Je vous laisse pas le choix. Non, je vous laisse pas le choix. Écoutez, je ne vous laisse pas le choix pour le sondage. Je choisis, je prends la main. Je prends la main, Nathaniel. Ah oui? Mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Lutin va foutre la merde. Lutin, elle va foutre la merde. Je m'en doutais, j'aurais pas dû le dire. Vivons heureux, vivons cachés. Oh putain! On peut pas rewind! J'aurais pas dû le dire! Oh, non, je suis bête. Merci Maël, merci beaucoup. Qui fête ses 2 mois. Merci infiniment. Merci pour le reseb. Comment ça va? Oh, ça va foutre la merde. J'aurais pas dû dire que j'aimais Nathaniel. Elles vont mettre des bâtons dans les roues. Oh merde. Comme on est à poser les questions. J'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es une bonne amie avec Nathaniel? Andive? Comme je suis délégué de classe, je lui parle souvent, ouais. Il est vraiment gentil et très... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il est encore au lycée quand je suis retourné tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers. Ou quelque chose comme ça. Mais il était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Oh putain. Aïe. Donc, elle le connaît depuis qu'ils sont petits. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolé. C'est pas grave. On va la surveiller. D'accord. Ah, il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Toi, on t'a pas demandé quoi que ce soit là. Oui, j'ai de la chance. La famille de Lef Ruby est très gentille. Je considère Mozart l'Opéra Rock comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, désolé les filles.
Allez, vas-y, tu dois bien savoir quelque chose. Allez, raconte-nous. Son frère a bien des trucs a bien dû te raconter des trucs. Eh ben, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Oh, un tatouage? N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Bah non. Attends, on est sœurs? On est sœurs, bien sûr que non. Jamais j'utiliserai cette info pour se retourner contre toi, bien sûr que non. Hé, moi je suis comme ça, tu peux me faire confiance. Hé, on n'est pas en train de faire une pyjama party là? Bien sûr, confession sur l'oreiller. Voilà. Promis? Oui, promis. Enfin, je n'en parle pas beaucoup. Bah, en même temps, tu parles avec qui toi? Mais Riz m'avait parlé un peu de Ken. Ah mais oui, Ken! Bah attendez, mais qu'est-ce qu'il devient lui là? Le binoclar? Elle a ses nouvelles de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il devient là, le binoclar? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok. Super. C'était notre... le binoclar, c'était notre... portefeuille. Il était parti. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge violette. Et toi alors, lutin? Moi j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'avais pas besoin, Ambre me raconte beaucoup de choses. Ouais, vous voyez, c'est une petite peste. Oh là 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 là. Oh là là, comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose de... Attendez, quoi? Ambre est amoureuse de Castiel? Est-ce que j'étais... Attendez. J'étais au courant? J'étais pas au courant de cette info. Ambre est amoureuse de Castiel, la sœur de Nathaniel. Mais j'étais pas au courant de cette info. Oh, oh là là, rago, rago. A plus, Irène, merci à toi, bye bye. Alors là, mais alors attendez, mais on va utiliser cette info là. On va utiliser ça pour la niquer. Oh, attendez. Elle est amoureuse de Castiel, mais je suis à moins 100% avec Castiel. Merde. En même temps, je suis pas là pour crusher avec lui. Mais je peux quand même faire du sale. Gros dossier là. On a enfin du pouvoir. Ah, donc ça c'est très bon. J'adore les pyjamas parties. C'est bon à savoir ça. Je te le dirai pas. Ah, t'en as suffisamment dit de toute manière. Alors clairement... Tu en as suffisamment dit. Voilà, cette pyjama party, c'est la meilleure pyjama party que j'ai faite depuis que j'en fais. Vraiment, cette info-là, comment te dire que c'est une bombe que tu as larguée? Et je ne parle pas d'un prout. C'est une bombe à retardement. Je saurai l'utiliser en temps et en heure, t'inquiète pas. Oh, au fait, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Ah mais oui, l'album. C'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû... Bon, arrête un peu. Eh, arrête, Andive. Tu aimes beaucoup les cadeaux. Tiens, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris, comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, mais l'album, j'adore ce groupe. Oh là là, mais je suis complètement folle. Eh ben, super. On a continué à parler un petit peu avant de nous coucher. Ah, je dors chez elle, en plus. Alors, moi, j'aime bien... Ah oui, bah oui, pyjama party, tu dors chez elle. Mais j'aurais pu faire une pyjama party jusqu'à 23h. Ensuite, j'aurais appelé à 9h. Et je serais rentré chez moi dormir. On peut pas faire ça? À 5 dans une petite chambre. Ça devait sentir la mort. C'est assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia. Voilà. Sous un gros tas de couvertures. Apparemment, elles ont fait des trucs sales. Et moi, sur un petit matelas, ça me dérangeait pas. J'ai entendu des bruits bizarres. Peggy 18. Je les ai entendus dire: allez, vas-y, c'est la première fois. Appuie ici. Non, appuie là. Oh, c'est quoi? C'est quoi ce truc là? Bah, je sais pas. Allez, on appuie dessus. Bon, allez. On est au lycée, on est là pour faire des expériences. Bah ouais, allez. Comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Oh, elles font des bails sous la couette. Bah écoutez, nos soucis. Oh. Alors là, si c'est pas une invitation pour Nathaniel, si c'est pas une invitation, mais c'est clairement comme ça que je dors la nuit. Je dors comme ça. Oh, Nathaniel! Eh, elle monte son cul, elle! Eh, elle est comme as! Oh, Nathaniel! Nathaniel! Oh, regarde! Oh, je dors! Je dors! Je suis en train de dormir! Wouhou! Monsieur Sanctant, y'a personne qui dort comme ça! C'est une invitation!
Ça, c'est clairement une invitation. Ah non, mais on est carrément d'accord. Là, c'est clairement le paillasson, c'est écrit « Bienvenue wow ». C'est écrit « Bienvenue ». Allez-y, faites comme chez vous. Visitez l'intérieur, n'hésitez pas, visitez toutes les pièces. On est vraiment une bombasse. On est clairement une bombasse. Je suis trop fier de ma sucrète. Oh ouais, ouais, ouais. Trop fier de la sucrète. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. T'es trop belle. Oh là là. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans des pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si ça a été compliqué à préparer. J'étais presque déçu de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours, tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. On va peut-être s'habiller quand même. On va peut-être s'habiller, non? C'est bon là, la pyjama là. On va peut-être se remettre une petite tenue d'amour. On va se remettre notre petite tenue. Non, on va peut-être s'habiller. On va peut-être. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas mieux comme tenue hein, pour l'instant. Y'a pas mieux que celle-là. Cette musique-là, c'est pas la musique des problèmes? Eh, on changerait pas un petit peu? Oh, attendez, là. Eh, on serait pas mal avec cette petite jupe? C'est trop. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Attendez, attendez. C'est trop, là. Attendez, attendez, faut que je teste. Faut que je teste pour voir. Non, mais c'est beaucoup trop. Non, ça va pas. Non, non, ça va pas du tout. Non, non, cette tenue, ça va pas du tout. Là, ça va. Cette petite, hein? Cette petite jupe, là. Le vert, le marron qui est ressorti au chêne. Ça passe encore. Est-ce qu'on reste comme ça, histoire de changer un petit peu? Ou on remet le short ras-la-moule? On fait quoi? On laisse comme ça? Ou ras-la-moule? Mais je trouve que là, ça fait un peu bad bitch rock'n'roll. Très bad bitch, hein. Ouais. On aime bien? On laisse comme ça? Allez, on laisse comme ça! Là, on voit que là, on a du caractère. Là, on a du caractère. On laisse comme ça! Elle est top. Moi, ça m'arrange. On laisse comme ça! Au cas où, on laisse comme ça. Alors, on y va? Est-ce que... Oh, waouh! ça agit, pas incroyable. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit avec grand plaisir. Je vais voir si j'arrive à leur toucher deux mots. Oh là là, attends, on va foutre la merde. Parle à Nathaniel, à Castiel et à Mozart l'Opéra Rock. Ok, alors qu'à Castiel, il doit être sur son banc. Je sais tout. À propos de quoi? La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête. Tout le monde était invité sauf moi. Et alors? Ça devrait me mettre mal à l'aise? En vrai, ça me mettrait vraiment pas mal à l'aise. Bah écoute, t'es pas invité. C'est une invitation, voilà. C'est juste que t'es pas copine avec elle, c'est tout. Ça, je pardonnerai pas. Mais attends, attendez, moi, je vais prendre la réponse. Si tu ne fourrais pas ton nez partout, tu aurais pu venir. Allez, c'est pas la vie de tout le monde. Grâce à moi, il y a des telles informations qui peuvent être révélées. Tu restes une fouineuse. Ah ouais? Eh ben, le coup, plus sur la fouineuse pour t'aider. C'est ça, dégage. Allez, bye. J'avais envie de la défoncer. Voilà. C'est clairement pas une bonne idée, je pense. Mais je vous laisserai voter pour le prochain. Salut, Chouva, ça va? Non, non, m'a saoulé. Je suis impulsive. Ah, comment ça me saoulait? Alors, cet anniversaire, c'était bien? Ah, oui, Nathaniel, on s'est bien amusé. Regarde ma petite jupe, elle est belle. Mélodie devait être contente. Ah, oui, elle m'a parlé un peu de toi en fait. De moi? De quoi? Est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir des bons résultats et être irréprochable auprès de tes parents. On poucave tout là. Oh, il va peut-être le prendre mal aussi qu'on poucave. Que mes parents? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Oh misère! Oh misère! Bon, c'est à vous de voter? Est-ce qu'on dit réponse A? C'est vrai alors? C'est uniquement pour eux que tu fais ça? Réponse B? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. Ou réponse C? C'est bien ce que je pensais en fait, tu es un faillou même avec tes... Oh non, non, non. C'est vous qui décidez! Réponse A? Réponse B? Ou réponse... C'est vous qui avez les clés en main. Vous avez les cartes. C'est l'heure du... C'est vous qui votez. Réponse A, réponse B ou réponse C. Je le sens mal. Merci Val pour le sondage. Je le sens mal, je le sens mal. Et j'ai peur d'ouvrir la réponse. Voyons. Ah, vous êtes une majorité à dire ne t'énerve pas. Je posais simplement la question. Eh bien écoutez, on y va. C'est personnel. S'il te plaît.
J'essaie de satisfaire les exigences de mon... Ah, il se confie ! Oui ! Oui ! J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict. Et il veut que ses enfants soient parfaits. Oh, mais viens te blottir contre moi ! Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises. Et pas des petites. Oh là ! C'était vraiment une biatch, j'adore. Il est beaucoup plus coulant. Comment ça, coulant ? C'est un gâteau, je comprends pas. Avec Ambre, comme ton père, comme tout père avec sa fille, je pense. Oui, normal, en essence. C'est pas juste. Arrête de te... Alors, on va dire que c'est pas juste. C'est pas juste à te... Mon père n'est pas très juste. Et alors ? Mais tes efforts portent leurs fruits. Ton père est satisfait. Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient pas. Mais je suis sûr que mes efforts finiront par payer. Oui. Ouais ! Re, mon ami ! Bon ! Mais confie-toi à moi ! Bon, c'est pas mal. On a quand même taclé sa sœur en disant que sa sœur, elle fait des bêtises. Non. Voilà, on a balance quand même la confession sur l'oreiller, évidemment. Hein. Merci, mon ami ! Merci, mon ami, pour le sub. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ça va pécho, Nao. Ah, j'espère ! Oh, quelle aventure. Alors, tu cherches Mélodie, tu cherches Andive, hein? Et toi, tu cherches les ennuis? Ou alors réponse B? Ah, très drôle, t'en as de l'humour, dis donc. Ou réponse C? Non, c'est toi que je cherchais. Est-ce qu'on fait réponse A? Est-ce que nous faisons réponse B? Ou alors réponse C? Ah bah mon ami, regarde le replay. Alors là, s'il y a bien un replay que tu dois regarder, c'est celui-là. Mon ami, quand t'auras un peu de temps, je t'oblige pas, mais il faut absolument regarder ce replay, hein, pour rattraper. Est-ce qu'on fait A, B ou C? Alors, A, C, c'est quoi? C'est toi que j'ai cherché. Très bien. Oui, même s'il n'y a pas de sondage, c'est pas grave, hein, vous pouvez le noter sur le chat, hein, on s'adapte. On fait la réponse C? On fait ça? Réponse B, C? Réponse C une fois? Réponse C deux fois? Allez, réponse C, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? On est là pour foutre la merde! Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y ait une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu ça, moi, tu sais, hein. Lorsque vous étiez petit, t'as fait quelque chose pour Ambre. Et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte-nous tout, je ne dirai à personne. Elle m'a fait pitié, c'est tout. Ouais! Déjà gamine, elle a embêté son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Ah ouais? Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc qui lui avait fait son frère. Et tu l'as consolé? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Bon non, t'es un gros gamin, toi. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je m'en souvenais même pas. Ça a de l'importance pour Ambre, tu sais, donc du coup ça en a pour moi. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus parce que je suis une grosse fouinasse. Alors, son frère lui a fait une dinguerie. Nathaniel. Comme je l'ai dit, peu m'importe, je m'en fous des dingueries que Nathaniel fera dans le jeu. Je le rappelle, je pardonne tout à Nathaniel. Surtout s'il a fait des dingueries horribles à sa sœur. Franchement, je n'aurai aucune pitié. Je m'en fous de ce qu'il a pu faire. S'il a fait du mal à des gens, je m'en fous. S'il a fait du mal dans le lycée, je m'en fous. S'il a fait du mal aux gens, je m'en fous. C'est le passé, j'oublie tout. Je construis mon avenir avec Nathaniel. Je lui pardonnerai tout. Voilà, j'ai envie de vous dire, je suis qui pour en vouloir aux gens, alors que je suis une grosse chiennasse, une grosse fouinasse, et tout qui finit en as. Je veux dire, il y a un moment, je peux pas non plus avoir un jugement. Non, c'est... Tout va très bien se passer, Nathaniel, t'inquiète pas. Parle à Lisa de ce que tu as entendu pendant la pyjama partie. Bien sûr, on fout la merde. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler. Pendant la soirée entre filles, on a parlé, tu sais, des camarades de classe, tout ça. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah, oh, oui, Quentin. Il sera... Ah, mais Ken, ça veut dire Quentin! Ken, c'est Quentin! Mais il peut pas écrire Quentin, Q-U, comme tout le monde! Quentin, là, non mais excusez-moi, bon, et après, il n'y a pas de faute dans un prénom, mais...
Mais c'est quoi là, Quentin avec un K là? C'est quoi ça, Quentin? Non mais attendez, mais ça va pas du tout écrit Quentin comme tout le monde. Arrête un peu. Eh, lui quand il va revenir, il a intérêt d'avoir changé, hein, parce que c'est pas possible. Non mais Quentin, mais d'accord. Moi je croyais que son nom c'était Ken, genre comme dans Barbie et Ken, genre un peu à l'American. Il sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. C'est vrai que tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout de Quentin. Hein. Le père de Nathaniel, il doit être méchant. Salut Mozart, l'Opéra Rock. Bonjour. Tu fais plus la tête, ça y est? Disons que j'ai pas envie de continuer à t'éloigner. À t'ignorer. Ah. Et ben voilà. Il ne m'en veut pas. Il ne m'en veut plus. Mozart, l'Opéra Rock. Voilà, il m'a pardonné. Tant mieux. Mais je n'oublie pas pour autant. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Tu vas vite oublier, t'inquiète pas. Parce que j'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah ouais? Et pourquoi vous êtes venu à parler de moi? Ah bah tu sais, on a parlé un peu de tout le monde. Mais bon, si tu n'as pas envie de savoir, il n'y a pas de souci. Hein. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirs entre filles. Ah ouais, 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 on est des grosses commères. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? À moi? Voyons voir. Ah bah bizarrement, hein, Mozart l'Opéra Rock. Hein, il veut vraiment discuter là. Hein, c'est bizarre. Quand il y a des scoops, qu'on soit homme ou femme, non-binaire ou tabouré, on est tous là pour aller chercher le scoop du siècle. Alors bizarrement, on est tous sociables. On est tous des commères. Je vous laisse voter, allez-y sur le sondage. Réponse A, réponse B ou réponse C. Rosalia m'a fait jurer de ne parler à personne. Ou réponse B, Rosalia m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. On y va franco, on perd pas de temps. Ou réponse C, Rosalia m'a dit que tu as un tatouage. Hello, motherfucker. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse A, réponse B ou réponse C. Je pense qu'on va pas y aller de main morte, hein. Moi je pense que ça va être très tendu. Réponse, vous êtes majoritairement réponse B. Ah là là. Bon, on y va. Eh, bad bitch un jour, bad bitch toujours. Allez, réponse C, on y va. Quelque chose de... Ah, je vois. Elle t'a parlé du tatouage. Oui, et du coup j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal, qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela, ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Mais ça c'est impossible, désolé. Mais évidemment que c'est pas impossible. Salut Pingu, comment ça va? Trop content de te voir là, petit Pingu, comment ça va? Installe-toi, on est en plein amour sucré, écoute. On est en train d'être la biatch du lycée. On est en train de tout donner, histoire de foutre un maximum de merde dans le lycée. Voilà, donc t'arrives au bon moment. Ça fait trop plaisir, j'espère que tout va bien. Par contre, j'ai réagi que maintenant... Parce que je joue en même temps, mais on critique pas Mozart l'Opéra Rock. Alors, bah écoute, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Voilà, là, clairement, si, il faut pas avoir d'empathie avec les personnages que je critique. Il faut pas avoir d'ego, il ne faut pas être susceptible. Donc, t'es pas dans la merde. Ça va trop bien, Pingu, ça va au top. Trop content de te voir. Donc, ouais, ne soyez pas trop proche de vos personnages, parce que tout le monde en prend tout le monde... À son grade, hein, tout le monde prend son grade. Ah, pas le personnage! D'accord, d'accord. Tu parles de la comédie musicale. D'accord. Il faut préciser, hein, on emploie les mots avec discernement. Oui, d'accord. Alors, est-ce que je critique la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock? Non, parce que c'est quand même une bonne comédie musicale. Mais oui, trop content, Pingu, prends place. Ça me fait... Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste là pour... critiquer le très cher Mozart l'Opéra Rock. Voilà, mais pas la comédie musicale. Maintenant que je le sais, je lâcherai pas le morceau. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, on va foutre la merde. Oui, si, on va lâcher le morceau, t'inquiète pas. T'inquiète point qu'on va, lâcher ce morceau, Laura. Ah bah la voilà, super. Ça tombe bien, je te cherchais. Pourquoi? Elles sont passées où tes copines? Alors comme ça mon frère te plaît? Oh merde. Capucine m'a dit que tu en avais parlé pendant l'anniversaire. Oh merde. Après ça va mettre du piment, hein. On n'est pas venu là non plus pour s'ennuyer. Donc ça va mettre du piment. On sent Capucine, elle pouvait pas se taire. Mais non, mais c'est une connasse. Elle va pas se taire. Voilà. Laisse tomber, tu n'es pas son genre.
Ça t'en sais rien. Tu vas voir si je suis pas son genre. À minuit, chez toi, dans ta chambre, quand on sera en train de faire des bails pas très catholiques, on verra si tu ne seras pas, je ne serai pas son genre. Je suis sa sœur, je connais mieux que toi. Ça tu peux en être sûr. Ah ouais? C'est vrai, connasse? Est-ce que toi tu lui as... Je ne crois pas. Je pense que j'ai une connaissance que toi tu n'as pas. Allez, ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a? À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a eu un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? Mais alors là, c'est très mal me connaître. C'est très très mal me connaître. Oui, toi et Castiel. Et Castiel, t'inquiète. T'inquiète point. Ah, y'a que des commères dans ce jeu, j'adore ça. Ce jeu est incroyable. C'est incroyable. Oui, elle croit que je vais écouter ce qu'elle dit, elle. Ouais, t'inquiète point. T'inquiète, je me la fais. Cette histoire, quelle histoire? Ah oui, tu aimes Castiel. Oh, elle a rien dit de plus? Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Ah là, elle s'aime. On n'oublie pas, les amis, on n'oublie pas. On est une sucrète bad bitch. On n'oublie pas. Hein, on n'oublie pas pourquoi on est là. On n'oublie pas. Oh, quel bonheur cet épisode. Yes! On va foutre la merde. Rien, laisse tomber, t'as le seum! T'as le seum! Oh là là, elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je demande à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. Elle a grave le mort. Elle a grave le mort. Oh, je suis tellement content. Allez, barre-toi de l'eau, l'eau. Casse-toi de là. Ah, Cacastiel. J'ai pas vu Mélodie. Comment tu sais que je la cherche? Non, t'es sérieuse? J'avais dit ça au pif. Ma parole, tu la suis partout en ce moment. Elle a des renseignements dont j'ai besoin pour foutre la merde. Voilà. Quel genre de renseignements? Sur le comportement de Nathaniel lorsqu'il était plus jeune. Quoi, tu ne crois pas quand même? Quand je t'ai dit qu'il était encore pire que moi. Si, mais ça n'a pas suffi à le faire parler. Je suis sûr qu'avec le témoignage de Mélodie, il avouera tout. Témoignage? À la blague, on se croirait dans une mauvaise série policière. N'oublie pas de lui faire signer une décharge avant qu'il passe aux aveux. Oh, t'inquiète pas pour moi, je suis tellement une psychopathe. T'inquiète pas pour moi, va, je suis tellement une psychopathe. Oh là là. Eh, je crois que mon loup parle de lui-même. Hein. Oh là là, oui, on n'oublie pas le rôle. Je suis la pire des psychopathes, ne t'en fais pas. Nathaniel! Il est là. J'ai quelques questions. Non, oh là là, ce jeu est incroyable. Nathaniel, j'ai des petites questions. On va voir. Oui, à propos de quoi, ma puce? Oh, eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Ah, oh, une histoire? Ah, j'ai pas toutes les informations, tu sais, je suis complètement brouillé, mais... Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et Ambre, elle est tombée amoureuse de Castiel. Enfin bref, en fait j'ai beaucoup de détails, mais je fais genre que je suis pas une commère alors que je suis la plus grosse des commères. Mais j'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Qu'est-ce qui s'est passé, Nathaniel? Oh, je n'étais pas turbulent. T'étais pire que ça? Non, pas du tout. Non, j'étais aussi triste. J'ai été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trou pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Ah non, moi j'aime les gens sages, t'inquiète pas. Parce que je suis vraiment très sage. La musique, elle est incroyable. Non mais genre, vraiment, ça fait trop Hélène et les garçons. Hein. Mais j'adore, j'adore de fou. Hein. Il n'y a pas que lui. Mélodie, là aussi, laissa entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Alors, écoute-moi bien. On va tout te dire. Salut Joker. On va tout te dire, t'en fais pas. Que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. Bah évidemment. Mais après, au pire, s'il était méchant quand il était petit. En vrai. Mais le moi d'il y a 15 ans, je suis pas pareil qu'il y a 15 ans. On est bien d'accord ou pas? Même si t'as brûlé un lycée, je m'en fous, moi, c'était pyromane. T'as renversé une vieille en faisant un créneau sur le parking du supermarché, mais j'en ai rien à foutre. Elle avait qu'à pas être là. Non mais franchement, moi je te pardonne tout, Nathaniel. C'est bon. Non, mais on s'en fout, je te pardonne tout, Nathaniel, t'es plus beau. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et de Castiel. Oh, il y a un truc là caché sous le bureau.
Bonne nuit, dame. Bye bye. Je cherche des excuses à chaque fois, Robert. Bah oui, je veux sauver mon couple. Eh, tu te doutes bien, je veux sauver mon couple. Mais je suis pas venu là, bien sûr, hein. Moi, c'est le couple avant tout. Je cherche toutes les excuses. Un objet. Une peluche mouton. Merci, Joker, pour le follow. Prends place, installe-toi. Bah bien sûr, mais évidemment, moi, je suis là pour... Eh, je suis pas venu là pour enfiler des paires. Oui, mais il aurait tué sa famille. Mais on s'en fout. Au pire, ça arrive. Eh, ça arrive. Au moins, on a la maison pour nous tout seul. Au moins, ça ne dérange pas. Au moins, on n'est qu'à deux. Alors, c'est quoi? C'est ça? D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Eh, ça ne dérange pas. Bisous, Maël. Bonne soirée, bye bye. Allez, on y va, let's go. Couloir principal. Bah oui, ça arrive au meilleur. Oh, et qui n'a jamais fait tomber un couteau dans la cuisine comme ça? Oh, merde. Ça arrive assez souvent. Oh, vous savez, les accidents culinaires, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Donc, écoutez, à qui c'est jamais arrivé? On va pas non plus blâmer Nathaniel. Le pauvre, il a déjà tellement de soucis. Alors, allez où, Mélodie, là? Laisse tomber toute cette histoire. Je peux toujours courir. Non, il me dira rien. Laisse-le prendre son temps. Salut, Iris. Tu n'as pas vu Mélodie? Elle est rentrée plutôt chez elle, je crois. Elle se sentait pas bien. Oh, mince, je voulais lui parler. Pourquoi, il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais je voulais qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider? Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Cassie, elle dit qu'il était très turbulent. Ah, désolé, j'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose... Quelque chose se doit être marqué dans son dossier scolaire. Oh, on va les fouiller, ouais. On va les fouiller, le dossier scolaire. Oh ouais, ouais, il garde toutes les appréciations. Oui, bah ça marche. Il fallait pas me le dire deux fois, chérie. Je crois que Peggy arrive à y rentrer lorsqu'elle en a besoin. Allez, faisons ça. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment que tu lui mets un coup de pression, ça ira. Oui, je vais lui mettre un coup de pression. Alors, c'était pas écrit ça dans le dialogue, mais je vais lui foutre un coup de pression. Oh, mais bouge de là, toi, là. Je suis grave une fouinasse, Robert. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai Bah, va pas m'aider, du coup. Enfin, moi, je t'aiderai pas. Ah, dommage pour toi. Tu sais même pas de quoi je vais parler. Bah, va pas m'aider. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs. Au dossier, et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir. Je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Putain, mais non, non, non. Qu'est-ce que j'y gagne? Eh ben écoutez, à vous de voter, le chat. Réponse A. On dit tu verras bien. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu verras, écoute, arrête de nous embêter. Réponse B. Tu auras aidé une amie. Alors, voilà, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vomir. Ou réponse C. Des informations en or. N'hésitez pas. Réponse A. Réponse B. Ou réponse C. Bon, moi, clairement, je ne vais pas... Je ne vais pas... comment dire? Je ne vais pas... je ne vais pas vous dire ce que je vais voter, mais il y a une réponse tellement évidente pour moi. Donc, je sais pas si je dis réponse A, B ou C. Je vais pas vous le dire, je vous dirai après si on est en accord. Cliquez surtout voir pour ceux qui... C'est totalement évident. C'est totalement évident. Voyons voir. On est en accord. Super. J'aurais dit exactement la réponse C. Vous êtes majoritairement à dire la réponse C. J'aurais dit des informations en or parce que elle s'en fout. Si je lui dis que je suis sa pote, elle va dire on n'est pas pote. Le tu verras bien, elle va pas prendre le risque. Et des informations en or, vu que c'est une grosse finasse, elle est autant commère que notre sucrète. Bah il faut absolument lui donner des informations en or. Je peux entrer dans la salle quand tu veux, quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Elle n'est pas si facile que ça. J'adore le challenge. C'est pas grave. Je vais trouver une façon. Comment convaincre Peggy la cochonne de m'aider? Elle aime des scoops? Je vais lui en trouver. J'ai vraiment... Non, 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 suffit pas! Il a le double de la salle. Ah! Alors c'est délégué qui t'intéresse? Pourquoi est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi! Je sens que je vais être obligé de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Alors, est-ce que je... Non! Je peux pas de... Non, 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 ce serait vraiment une trahison. Alors je suis bad bitch, mais pas trop non plus. Je demanderai le double des clés. Je demanderai le double des clés. Double des clés à Nathaniel pour rentrer dans la salle des professeurs
piquer son dossier scolaire pour trouver des informations sur son passé en cachette. A plus Pingu. Je crois que c'est pas un bon truc. Ou alors je demande. Merci pour le resub. Bonne soirée Pingu. A plus, à bientôt hein. Merci à toi. Alors soit je fais ça, je lui prends le double des clés, ou soit je trouve un autre moyen. Il faut que je fasse ma fouille. Dans les deux cas, je suis dans la merde. Dans les deux cas, je suis dans la merde. Bisous Pingu, à bientôt. Dans les deux cas, je suis dans la merde. Alors écoutez-moi bien, les gens du replay. Vous allez pas m'aider, hein, parce que vous pouvez pas interagir avec moi. Mais je sens que je suis en train de faire un truc qui pue. Allez, on y va. Je suis en train de faire un truc qui pue. Allez, c'est pas grave. Ça sent la merde, cet épisode. L'épisode sent la merde. J'ai besoin de fouiller les dossiers de Nathaniel. Parce qu'il veut pas avouer que plus jeune était pire que Castiel. Oh, ça sent la merde. Ouais, choc barre de baiser là. Ça sent la merde, cette. Ça sent la merde. Aïe aïe aïe. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare. Oh, elle nous emmène. Je suis heureux, mais pas trop, hein. J'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit. Non. Aïe aïe aïe. On y va alors? Oui, on y va. J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant. J'ai pas toute la journée. On est dans la merde. On est dans la merde. Comme elle l'avait dit, il n'y avait personne. Les deux se sont là. Fais ce que tu as à faire. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante, à mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois. Avant que cela ne lui retombe de... On est dans la merde. Cherchez le dossier Nathaniel dans le casier pendant que Peggy fouille ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressé de chercher les informations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent. S'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Mais ça va! Mais c'est rien! Mais c'est rien! Il était juste turbulent! Mais c'est quoi de ce truc? Mais on s'en fout! Mais j'étais pire que ça! Mais attendez! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il était turbulent! Mais c'est que dalle! Bah ouais, c'est que dalle! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais moi, je m'attendais limite qu'il avait tué quelqu'un, il l'avait enterré dans le jardin, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais franchement. Mais oui, il a été juste un enfant, quoi, finalement. Oh là là. Eh, mais les drama queens. Non, mais je suis mort. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et même s'il avait tué quelqu'un et qu'il avait enterré le corps dans le jardin, franchement, j'aurais dit, vas-y, t'inquiète, ça fait de l'engrais. Donc non, c'est bon, on s'en fout. J'étais voir les appréciations sur ton dossier scolaire. Alors attendez, on ne peut même pas choisir. Oh, on ne peut même pas choisir. Oh, moi je pensais qu'on n'allait pas lui avouer. Ah, c'est des bâtards. C'est direct. Mais elle est folle. Après, on est pas pitch. Allez, j'ai été voir. T'as regardé dans mon dossier? J'étais bien obligé, ouais. Et est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave. Ces informations sont confidentielles. J'ai l'impression qu'il aime ça. Si tu n'avais pas menti, j'aurais pas été obligé de regarder. C'est ta faute. C'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas été le parfait délégué? Oh! Il adore ça. Oh, il adore ça! Il adore quand je prends les devants. C'est clairement moi. C'est clairement moi qui porte la culotte. Ouais, c'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits, tu sais. C'était pas que de la turbulence. Ça va, chérie, ça va. Eh, hey, détends-toi, c'était pas non plus... T'inquiète pas, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Désolé, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends, oui? Garde de ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec... En bref, oui! Ouais! Ouais! Oui! Ouais! Oh, être une bad bitch power! Oh là 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 là. Mais bien sûr, mais... Oh là là. Oui, bien sûr, je garderai... Bah, évidemment que je vais garder le secret. Évidemment. Ah bah, attendez, mais le pouvoir d'être une bad bitch, mais c'est magnifique. Mais c'est vraiment magnifique. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah oui, vas-y, raconte-nous tout. Voilà,
Lorsque ma sœur et moi nous étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire ma frère. Oui, mais c'est pas grave, elle méritait cette connasse. J'ai toujours chahuté, bousculé, je me souviens que je tirais souvent les cheveux. Oui, mais elle le mérite. Enfin bref, une fois je me suis attaqué à son jouet préféré. C'est une poupée qu'elle aimait, tu l'as cassée. Super, bravo. Wow. C'est super, Nathaniel. Elle a eu que ce qu'elle mérite. Voilà. Ouais. Wow. C'est bien, Nathaniel. Mais elle le mérite. Regardez cette belle image. Et regardez cette photo souvenir. Voyons à quel point elle chiale. Elle chiale de toutes ses forces. Hein, plus tu pisses, moins tu... Non, plus tu pleures, moins tu pisses. Qui pisse face au vent se rince les dents. Mais tant mieux, Nathaniel. Tant mieux. Elle l'a mérité. Elle était horrible, ta sœur. Regardez. Elle est vraiment PLS. Et clairement, j'adore ça. Allez, ça dégage. Alors clairement, t'inquiète pas. J'aurais fait exactement la même. C'est pour ça qu'elle voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Castiel est tombé sur elle. Et je sais pas pourquoi il lui a réparé sa poupée. Oui, voilà, homme torturé, t'inquiète pas. Il a réparé la poupée? Moi aussi, je trouvais ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Oh non, je vais pas en parler. Mais clairement, ça me surprend pas et je suis très fier de toi, Nathaniel. Tu as été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Mais oui, évidemment, je suis complètement folle. Elle était mignonne cette histoire, mais grave! Tirer les cheveux de sa sœur, mais c'est magnifique, mais super! C'était la plus belle histoire que j'ai entendue d'amour sucré. Voilà, j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un. Mais il avait 6 ans, le mec! Oh, mais on chahute avec sa sœur, arrêtez! Mais arrêtez de faire tout un fromage! Elle le méritait! Bravo, Nathaniel! Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Oh, dis-moi tout. J'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Oh! Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement. Ah, lequel? C'est... Ouais. Rendez-vous au prochain épisode. Ah, oh, on le saura pas! Bravo, tu as fini l'épisode 7! Ouais. Mais quel événement! Mais quel événement! Oh là 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 là! Eh ben dis donc! Eh ben quel live! C'était incroyable! Wow. J'ai adoré l'histoire! J'ai adoré l'illustration! J'ai adoré les tenues! J'ai adoré le moment avec mon crush parce que bah franchement il est comme moi, il est un petit peu cinglé! Et j'ai adoré les performances du jeu! Tout était super! Ouais! Wow. Et voilà! Ouais, Nanou, t'arrives à la fin! Oh là 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 là! Quelle soirée! Quelle soirée, amour sucré! Quelle soirée, quel live, quel lundi! C'était génial! Amour sucré! Amour sucré! Amour sucré! Amour sucré! Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Amour sucré! Amour sucré! On a foutu la mer! Waouh, c'était génial! Wow. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live Amour Sucré, c'était super. Ok, live, je me suis amusé comme jamais. Il y a encore les confettis. Oula, mais non, c'est pas ça que je veux faire. On enlève les confettis. Oh là là! Mais quelle soirée, hein! Oh, c'était super. Vraiment, j'ai passé une soirée. C'était trop drôle. Et l'Amour Sucré, il s'en est passé des choses. J'espère que vous aussi en replay vous avez kiffé. J'ai un stock de TikTok incroyable à faire. Waouh, c'était chouette, hein. Oh, c'était une soirée de ouf. Franchement, la soirée elle était super. Vous m'avez régalé. J'ai trop kiffé. C'était vraiment super. Quel commu incroyable. On rigole trop. Merci infiniment. Je veux qu'on remercie infiniment, comme chaque lundi, comme tout le temps, hein, finalement. Mais plus particulièrement le lundi, parce que bah y a beaucoup de taf pour eux. On dit merci aux modos pour les sondages. Merci les modos d'avoir géré tous les sondages. Merci infiniment l'équipe. C'était super. Merci la commu d'avoir été présent. C'était au top du top. Oh, c'était incroyable. C'était super. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Thank you. Vous avez kiffé à regarder en replay. Hein, n'hésitez pas à nous faire un petit récap dans les commentaires. Flav Alexander replay. C'était cool, hein. Merci pour les messages, les modos, ils méritent, c'était top, c'était super. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont lâché des subs. Donc voilà, pour le train de la hype. Demain, on se donne rendez-vous. Alors, petit live dédié à Unicorn Overlord. Donc là, on va changer totalement d'ambiance. On est sur, alors si vous aimez les Fire Emblem, les jeux tactical,
les jeux stratégie avec une DA magnifique. Rendez-vous à 14h demain. On va découvrir tout ça. J'ai très hâte. Et ensuite, eh ben, on va continuer notre 100% de Link's Awakening. Aller chercher les coquillages, les crustacés et tout autre objet. Voili, voilou. Merci à vous. On va faire un petit raid. On va les donner de la force. Je compte sur vous pour rejoindre le raid. N'hésitez pas, ça vous donne des points de chaîne. Donc si jamais vous participez, n'hésitez pas. Et je vais aller faire un raid à une personne qui m'a fait un raid, qui s'appelle Games Dreamy, qui est particulièrement dans des lives Animal Crossing. Donc voilà, on va aller la voir, on va lui rendre l'appareil, elle a aidé, on aide. Voilà, ça fait bien plaisir. N'hésitez pas, si vous aimez Animal Crocro, peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle m'a l'air très sympa. Merci infiniment pour la force, la commu, c'était super. Rendez-vous demain. On va débriefer sur le Discord dans quelques instants. Et je vous fais des gros bisous, bonne soirée. Gros bisous, bye bye. Mouah.